What has taken place here is a travesty of justice. We did nothing wrong. I did nothing wrong. Finding former President Donald Trump has committed fraud. I just want to find 11,780 votes. President Biden making it official he is running, well aware of concerns about his age. I said we're in a battle for the soul of America, and we still are. Quel poids donner aux études, aux sondages qui placent Trump en tête Joe Biden est-il foutu Trump va-t-il retourner à la Maison Blanche C'est le space de la chute et c'est maintenant. Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, euh, bonjour si vous euh, nous euh, rejoignez depuis le Québec, depuis le Québec euh, qui va tenir une place. Euh, particulière aujourd'hui dans cette émission spéciale une fois n'est pas coutume nous allons parler euh, de sondages et je ne vais pas être seul euh, on va avoir un invité un top-sender euh, jean-marc léger euh, qui nous attend il est déjà arrivé donc on va, on va, on va lui parler dans quelques, euh, dans quelques secondes je voulais d'abord vous remercier d'avoir été euh, si, nombreux, si nombreux à partager, à regarder nos émissions ce week-end. Si vous ne l'avez pas encore vu, euh, dimanche, nous avons mis en ligne la chute express. Euh, je crois que l'émission dure 16 minutes. Euh, si vous êtes habitué de la chaîne, vous savez comment c'est. <laughs> c'est pas l'usage. Donc, en 16 minutes, on vous a proposé un résumé euh, d'une semaine euh, complètement folle. Et puis, on a vécu ensemble une, une émission historique samedi sur euh, l'arrêt de la juge Wallace au Colorado. Il va y avoir appel dans les heures et dans les jours prochains sur un seul point, donc sur le point de savoir si Trump qualifie ou pas dans l'acte de cette... dans, dans le cadre de, du troisième, de la section 3 du 14e amendement. Je vous rappelle que la juge Wallace a trouvé que Trump a pris part et a incité une insurrection. C'est un point extrêmement important qui va prendre de l'importance dans les semaines et mois à venir. Ce qui est certain, c'est que tout ça va se terminer à la Cour suprême. Donc, c'est quelque chose qu'on va suivre. Il s'est passé aussi aujourd'hui à Washington le, euh, l'audition en cours d'appel pour tenter de faire annuler du côté de Trump le, le gag order euh, à Washington. Euh, ça s'est passé moyennement euh, pour lui. Euh, ce qui paraît assez évident, c'est que la Cour va maintenir ce, coup, euh, ce gag order, mais va en limiter euh, le, le cadre, ce qui, est, ce qui ne déplairait pas à Trump non plus. Euh, et dans tous les cas, cela devrait partir, encore une fois, à la Cour suprême. La Cour suprême va être vraiment... Euh, au cœur de l'actualité euh, des prochains mois. Pour suivre cette actualité, vous savez que nous euh, souhaitons euh, devenir votre euh, première source francophone sur les élections 2024, sur les procès de Trump. La meilleure manière de nous suivre, c'est déjà de s'abonner à cette chaîne, de cliquer sur la sonnette et puis, euh, si vous pouvez, de nous rejoindre sur... Kiss Kiss Bang Bang et soutenir l'émission. Je crois que vous êtes 192, on arrive près des 200. C'est notre nouvel objectif que nous ayons 200, 200 abonnés là-bas pour du contenu inédit et un super super chat de de la, de, de la chute, une chaîne privée sur Telegram. Euh, qui reprend un petit peu dans l'esprit, euh, mais en, avec des photos et avec des échanges complètement fous. Le chat de YouTube, salut le chat euh, de YouTube. Merci euh, Lena pour ton super chat, euh, Lena qui est euh, vraiment une euh, une. une une, un soutien de la, de la chute sur tous les formats, sur KissKiss, c'est une membre de la team chutiste euh, et euh, une habituée du Super Chat. Merci Didier également, merci beaucoup Didier. Euh, let's go William. Dans Let's go William et Let's go Jean-Marc, on va partir tout de suite. Du côté de Montréal pour revoir Jean-Marc, pour voir Jean-Marc, pour recevoir Jean-Marc. Jean-Marc, qui est le président, donc je dis ça pour les Français, qui est le président de la firme Léger. Et la firme Léger est la plus grande firme de sondage pour l'ensemble du Canada. Euh, la firme Léger euh, collabore fréquemment avec des quotidiens américains comme le euh, LA Times et le New York Post. Son, euh, son, euh, son, euh, son parcours euh, est celui d'une firme qui, ne se, qui se trompe euh, rarement. On va en parler forcément. Et donc voilà, je reçois Jean-Marc. Jean-Marc, est-ce que tu, euh, est tu m'entends? Salut Jean-Marc. Je vous entends bien, bonjour. Ah, très bien. Alors merci, merci d'être là. On va aussi dire quelque chose. Euh, parce que euh, on est 100%, euh, 100 transparent. Euh, Jean-Marc, euh, sur Twitter, mais aussi sur KissKissBamang, est un soutien de notre travail. C'est un chutiste. Donc, c'est vraiment un honneur d'avoir, euh, de, 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 de t'avoir parmi nous. Et je sais que tu retweets fréquemment notre, euh, mes, mes, mes tweets, que ce soit pour annoncer des émissions ou pour, euh, ou pour faire quelques, quelques analyses. Et ça, depuis, depuis des années. Donc, merci. Euh, euh, merci pour euh, pour ton euh, pour ton soutien et effectivement tu as rejoint notre communauté sur euh, sur Kiss Kiss il y a il y a il y a quelques semaines c'est ça oui exactement parce que tu es un des seuls qui nous donne tant d'informations et surtout en direct sur ce qui se passe aux États-Unis parce que c'est comme une télé réalité si on manque un épisode on a la difficulté de comprendre l'ensemble de l'émission et l'information que tu prodiges est fantastique. C'est pour Merci, ça qu'on ouais. s'en inspire, William. Merci beaucoup. Et c'est pour ça qu'on euh, qu qu a décidé chaque semaine d'essayer de faire un résumé. Mais comme tu le dis, c'est tellement difficile. Il se passe tellement de choses. Ça se joue sur tellement de, sur tellement de tableaux. Et on a ce sentiment, euh, et c'est souvent d'ailleurs ce que les gens écrivent, que c'est une série Netflix. Bon, le problème, c'est que c'est notre vie c et c'est l'avenir. Non seulement des États-Unis, mais euh, c'est peut-être quelque chose dont tu peux nous en parler. C'est quoi euh, euh, Vous êtes un pays voisin euh, des États-Unis. Tu es, 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 es au Québec, le Canada. Comment euh, on perçoit euh, ce, que, ce qui est en train de se passer aux États-Unis et qu'est-ce que ça euh, implique comme conséquence C'est majeur parce qu'on est si près des États-Unis mais si différent en, en, en même temps. Eh, particulièrement au Québec parce que nous sommes des francophones d'Amérique. Et donc on n'a pas la même vision que les gens qui vivent en plein cœur euh, des États-Unis. Mais les États-Unis c'est une mosaïque. Hein. C'est plus, plus de 330 millions de personnes qui vivent avec des intérêts totalement différents. C'est pas un tout. Il y a le meilleur et le pire aux, aux États-Unis. Au Canada, l'influence est énorme à court terme parce que nous avons aussi notre droite populiste ici avec Pierre Poilievre au Canada qui a pris beaucoup d'importance. On voit l'influence de Donald Trump dans la sphère américaine. On a vu dernièrement l'élection en Argentine. Là. D'un mini Trump, je ne sais pas si mini, on va prendre un Trump argentin, donc ouais. Xavier Mulay, qui était élu, et c'est donc une influence majeure dans chacune des élections. C'est vrai en France, mais c'est vrai partout, c'est vrai en Italie, c'est vrai partout, cette résurgence de, de droite populiste qui est là, et Trump incarne parfaitement cette réalité-là. Non, ex exactement, et c'est pour ça que je, je, je le dis souvent à, à nos auditeurs qu'une des raisons qui m'a. Euh, pousser à entamer ce, ce travail. Honnêtement, je ne pensais pas que ça, serait, ça prendrait autant, autant, autant de temps que ça. Mais euh, une des raisons qui m'a poussé ce travail, c'est parce que je pense que, euh, un, c'est un phénomène mondial, comme tu viens de le dire, comme on l'a vu hier soir euh, en Argentine. Et, euh, euh, et, et il y a des, il y a des, 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 des leçons à, à tirer de ce qui se passe aux États-Unis. On voit très clairement, on le voit au Canada euh, et on, on le voit en France, que euh, tout ce que fait Trump... Euh, et, euh, et étudier et après et recyclé euh, à la sauce canadienne ou à la sauce européenne euh, pour tenter de faire fonctionner les mêmes recettes. Et il y a des recettes qui fonctionnent, qui fonctionnent parfaitement en plus. C'est ça c'est ce est ça ce qui est complètement fou. Et on entre dans un terrain inconnu. C'est ce qui est passionnant avec l'histoire de Donald Trump. Là. À chaque jour, il y a des choses nouvelles. Vous savez, Trump a dominé la, la classe politique américaine depuis 2016. Il a vampirisé, dans le fond, chacun, chacun des débats américains. Et il le fait avec les médias aussi, parce que Trump s'est ensuite attaqué au deuxième pouvoir, celui des médias. Et aujourd'hui, la crédibilité des médias a fondu de moitié aux États-Unis et un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, il s'attaque au troisième pilier qui est celui de la, de la Cour suprême ou l'ensemble du de légal aux États Unis. C'est quand même assez extraordinaire et à chaque fois on l'a sous évalué, à chaque fois il a gagné. Aujourd'hui, avec l'ensemble de ses procès, la question c'est pas s'il va être condamné, est ce qu'il va être condamné avant d'être élu président. Parce que cet oui. homme là oui. est oui. soit président oui. ou en prison. Oui. Et quelques uns pour rire disent peut-être les deux. <laughs> oui, parce que techniquement, <coughs> légalement, c'est effectivement euh, possible. Écoute, je voulais, je voulais qu'on qu qu commence, si, euh, si c'est si bon pour toi, euh, bien évidemment, euh, par cette euh, étude euh, à laquelle euh, tu as participé, dont tu m'as envoyé les, les résultats, qui est extrêmement intéressante, parce que c'est une étude euh, large de euh, 21 pays de la perception euh, mondiale. Sur, euh, sur, euh, sur Trump, sur la politique américaine, sur euh, le système politique américain, euh, donc je voulais qu'on commence euh, par ça avant de partir dans, euh, euh, je veux vraiment qu'on profite de, du, du temps que tu nous offres pour euh, parler de méthodologie, de difficultés euh, aussi de cerner euh, les raisons et les, 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 les mouvements, on parlait de la droite populiste, c'est extrêmement difficile à mesurer. On peut peut-être parler de la, de la génération Z aussi, comment on mesure cette génération-là dans les sondages alors qu'il y a une évolution technique, on ne répond plus au téléphone, comment on contrebalance tout ça. Mais avant, si c'est si bon pour toi, je voudrais qu'on parte sur ce euh, sondage. Donc, ce qui est intéressant dans la présentation, je pense que je n'ai pas ce slide-là, mais c'est qu'on montrait que globalement, à l'exception de deux pays, L'image des États-Unis s'était améliorée depuis le, euh, le, le, le départ de Trump, c'est ça? Oui, exactement, parce qu'on voulait comparer euh, la, les, les dernières années de Donald Trump avec les dernières, la dernière année de Joe Biden. Et à, et à l'égard, à, à travers le monde, l'image de, des États-Unis, malgré toutes les difficultés, s'est améliorée, excepté en Italie avec, euh, et, et en Hongrie sont deux pays dans le fond où l'image s'est détériorée mais c'est vrai pour l'image générale mais c'est vrai aussi pour les intentions de vote William parce que on demand, on a demandé aux gens dans ces 21 pays à, répartis à travers le monde avec le réseau mondial Win que j'ai réalisé ce sondage là s'ils voteraient s'ils avaient le choix s'ils voteraient Joe Biden ou Donald Trump il j'avais réalisé ce type de sondage là en 2016 tous les pays du monde votaient pour Joe pour à ce moment-là monsieur contre monsieur pour madame Clinton j'ai réalisé la même chose en 2020. Tous les pays, sauf l'Israël, votaient pour Joe Biden. Et cette fois-ci, on a quatre pays qui appuient M. Trump et l'écart est beaucoup moins élevé que ce ne l'était qu'à l'époque. Les pays sont l'Israël, encore une fois, le Nigeria, la, la Turquie et la, le Pakistan. Vous savez, des pays à majorité musulmane qui votent pour Donald Trump. Donc, Donald Trump a quand même des appuis à travers le monde. Et forcément aussi aux États-Unis, parce qu'à ce moment-ci, il est quand même en avance de 2-3 points dans les sondages aux États-Unis. William, s'il y avait élection présidentielle aujourd'hui, M. Trump serait président des États-Unis. Ce ne sera peut-être pas le cas dans 12 mois, mais aujourd'hui, oh, c'est encore non. le cas. Exactement, on va, on va en parler plus tard. On va voir cette première, cette première présentation qui reprend, qui reprend ce que tu dis. Ouais. donc effectivement, ce qui était intéressant de voir dans l'évolution, c'était l'Italie et la, la, la Hongrie, qui sont, qui sont deux pays menés par aujourd'hui des gouvernements de la droite populiste, et, et qui don, euh, donc, euh, considèrent que les, leur vision des États-Unis sous Biden s'est dégradée. Et effectivement, dans, dans ces chiffres-là, on peut se dire, euh, j'ai vu que cette enquête a été faite au mois d'août et au mois de septembre, c'est ça, donc j'imagine que euh, l'évolution de l'Israël peut évoluer euh, par rapport à, à, au soutien extrêmement fort de, de Biden euh, qui a été fait après après le 7 octobre et les déclarations euh, ambiguës, c'est le cas de, de le dire de, de Trump sur sur le sujet euh, on voit que euh, c'est intéressant si vous êtes aussi allé mesurer le, le territoire donc de la, de la Palestine et, euh, et, euh, et, et et de voir que là aussi euh, il y avait un soutien euh, un soutien plus important pour plus important pour pour Trump oui, plus important qu'avant. Mais au global, la Palestine est quand même euh, votre davantage pour M. Monsieur, monsieur Biden. Ce sondage-là s'est fait juste avant le 7 octobre. Donc forcément, les résultats sont perturbés. Parce qu'une des premières leçons, William, sur les sondages, c'est que nous sommes très forts pour prédire le passé. Pour ce qui est de l'avenir, c'est une autre réalité. Hein, parce que c'est encore plus complexe. Ça fait 37 ans que je fais le métier et c'est très difficile de savoir ce qui va se passer la semaine prochaine. Imaginez ce qui va se passer dans les 12 prochains mois. Donc, on a un certain nombre d'indicateurs qui nous donne la tendance, qui nous explique dans quelle direction on est. Mais encore là, on ne peut pas prévoir le comportement des lecteurs, parce que si les, les, les sondeurs souvent ne sont pas fiables, les électeurs, William, le sont encore moins. <laughs> non, c'est un point intéressant, et, et mon expérience aux États-Unis, c'est quelque chose que je dis euh, très souvent, c'est que euh, euh, non seulement il faut considérer, et tu, tu me dis, c'est d'accord avec cette image-là, les sondages comme étant un instantané du moment. Pas, un, pas une prédiction, et la plupart des sondeurs disent que ce n'est pas une prédiction de ce qui va se passer un ah an. C'est notre interprétation. Souvent, on en fait cette, cette, cette prédiction alors que euh, ça n'en est pas une. C'est un instantané qui prend la température euh, du moment. Et puis, pour les États-Unis, il y a cette spécificité où on se rend compte que la majorité, et moi je le vois au quotidien, la majorité euh, des, euh, des électeurs ne s'intéresse pas euh, forcément. Euh, à l'élection et, et va finalement se décider euh, dans les derniers jours. On va voir euh, c'est à partir de ce moment-là que ça va se, 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 se cristalliser. En tout cas, c'est ce qu'on a vu ces dernières années. Tu es d'accord avec ça Mais Je suis d'accord avec l'idée de la photo. Par contre, le rôle du sondeur, c'est de voir le film de l'événement. Donc plusieurs photos pour comprendre la tendance. Par exemple, Donald Trump, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer avant, plus il est accusé, plus il est populaire. Il avait 42 des voix avant la première accusation euh, il, y a, il y a quelques mois. 42 chez les Républicains comme candidat numéro un. M. DeSantis n'est pas loin derrière. Aujourd'hui, il est à 67 Il a ramassé des points, non seulement au niveau des Républicains, mais aussi auprès des indépendants. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que la tendance jusqu'à maintenant était plus favorable à M. Trump à ce moment-ci. Par contre, dans le sondage qu'on vient de présenter, c'est la première fois qu'on posait la question et s'il se trouve en prison, voteriez-vous pour lui on a posé la question aux Américains. Et là, il y a une perte de 11 des voix. C'est important, cette perte-là. Parce que, vous savez, le système légal américain, tant que tu n'es pas accusé officiellement et que tu n'es pas en prison, il y a toujours un doute raisonnable. Et c'est ce qui bénéficie présentement. Par contre, quand il y aura un jugement clair qu'il est coupable, et si jamais il se retrouve en prison, il perd un 11 des voix. Avec la bémol suivante, comme on dit au Québec, la bémol, je sais pas si ça en France, là, avec la subtilité suivante, c'est que ces 11%-là s'en vont chez les indécis. Aucun s'en va chez Biden. Autrement dit, c'est un vote parking qu'on appelle un vote qui se stationne en attendant de voir la dynamique. Donc, il y a des républicains qui ne seraient pas heureux de voir Donald Trump en prison, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne l'appuieront pas. Tout va Il y a souvent cette discipline de parti. Moi, moi j'ai vécu au Texas pendant des années et j'ai vraiment euh, beaucoup de, de connaissances qui sont euh, pures et dures des républicains, qui en 2016 prédisaient le pire si Trump était élu. Je me rappelle avoir une discussion avec avec un ami qui est un membre à vie du Parti républicain depuis 1968, je pense et qui euh, disait c'est une catastrophe euh, si trump est élu on va avoir une, une guerre nucléaire d'ici euh, deux ans euh, etc etc mais qui a voté pour lui? Euh, parce qu'à la fin, c'était un républicain, et à la fin, euh, c'était hors de question de ne pas voter, hors de question de voter pour un démocrate, et, euh, et en plus de ça, ça permettait aussi d'avoir des juges à la Cour suprême, tout ce que Trump a fait finalement. Et donc, effectivement, il faut être prudent sur cette idée de républicains qui disent qu'ils ne, qu ne voteront plus euh, pour Trump, ils disent ça maintenant s'il est inculpé. Mais euh, finalement, lorsqu'on va se rapprocher de, bah, de l'élection, moi je pense que la plupart de ces électeurs-là euh, rentreront, euh, rentreront euh, dans, dans, dans le rang et, et, iront voter, euh, et iront voter pour lui, euh, à mon avis. Vous avez devant vous le tableau là, qui montre est-ce que, est que les républicains souhaitent qu'il soit candidat s'il est reconnu coupable et emprisonné. Euh, vous voyez la colonne de droite qui est en rouge. Là, chez les républicains, 57% disent oui. Et 26 disent non. Mais ce 26 %-là, je sais pas si vous avez montré l'autre tableau suivant qui est celui du vote, le 11 que je viens de mentionner. Arribé Mais c'est donc, donc, une clientèle qui n'apprécie pas parce que, vous savez, ça a été longtemps le parti de la loi et la, de la loi et la, et, et de, la, and order, de la loi et l'ordre aux États-Unis. Euh, ce qui est de moins en moins le cas aujourd'hui, mais essentiellement, on se retrouve quand même avec une majorité républicaine qui dit, qui, qui l'appuierait. Il y a quelque chose de fondamental, par exemple, sur ce que tu viens de mentionner, William, c'est que il y a 20 ans aux États-Unis, il y avait le tiers était républicain, le tiers était démocrate, le tiers était indépendant. Aujourd'hui, vous n'avez que 25 de républicains, 25 de démocrates et 49 pour être précis, d'indépendants. Donc, de gens. C'est pour ça, tout à l'heure, quand je disais que les électeurs souvent ne sont pas loyaux, c'est qu'ils sont moins loyaux qu'avant. Ce qui fait qu'ils peuvent voter d'un parti ou l'autre. Par exemple, il y a 28% des gens qui ont voté Obama en 2016, qui ont voté pour Trump en pardon en 2012, qui ont voté pour Trump en 2016. Vous savez, nous, on sonde, là, vous voyez des résultats macro là, mais derrière ça, il y a des mouvements de population extrêmement importants. Euh, qui, est, qui est derrière. Fait qu Il y a trois facteurs importants qui expliquent la difficulté des sondeurs aux États-Unis de mesurer l'intention de vote. Il y en a trois. Le, le premier, le plus important, c'est celui de la fermeté euh, du vote qu'on a mentionné. Au Canada, 10 des électeurs choisissent leur parti le jour du scrutin. Vous imaginez, nous, on les sonde un an avant, six mois avant, 10 le jour du scrutin. Je pas la donnée américaine, mais j'ose croire que c'est pas loin de ça. Donc, ça se joue des fois. À, à, à quelques voix. Le deuxième facteur. C'est même plus que ça. De mémoire, c'est même plus que ça. Mais euh, le, le, je sais que sur les, sur les trois jours, il y avait presque. Il y a, il y a, il y a au moins le double des, des électeurs américains qui se décident sur les trois derniers jours. C'est énorme de gens. Donc, ce qui fait que la campagne a beaucoup d'importance parce qu'ils sont beaucoup moins loyaux aux partis, euh, aux partis politiques qu'ailleurs. Il y a aussi le fait que les sondeurs aux États-Unis, contrairement en France, disons dans une plus grande euh, proportion, ils sont très partisans. Donc, quand on voit des sondages, j'avais des sondeurs très républicains. Les questions n'ont pas de sens, les échantillons n'ont pas de sens, l'interprétation n'a pas de sens. Et là, ça sort dans un média répété sur les médias sociaux et c'est parti. Vous avez la même chose du côté des démocrates. Vous avez des sondeurs. Et donc, quand les gens disent les sondeurs se trompent ou les sondeurs changent, le problème, c'est que vous avez des sondeurs qui n'ont aucune compétence ou chose, qui ont des intérêts financiers à, à, à placer un parti. On ne voit pas vraiment ça au Canada. On le voit légèrement en France. Et non seulement le, 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 le sondeur, mais le média aussi est très partisan aux États Unis. Dans chacune des villes, vous avez un média républicain, un média démocrate, ce qui fait que l'information est un magma d'informations contradictoires, parce que les gens disent à peu près n'importe quoi. Puis le troisième facteur qui influence beaucoup la qualité de l'information ou la qualité des sondages, c'est le taux de votation. On a un taux de votation beaucoup plus faible aux États-Unis qu'en qu France. Euh, on se retrouve... À, bon, la dernière fois, ça a été quand même exceptionnel. 2020, ça a été 67 des Américains qui ont voté. Mais c'est autour de 55-60 qui votent aux élections. Ce qui fait que pour le sondeur, la difficulté la plus grande, c'est d'aller chercher des électeurs qui votent peu ou votent pas. Et ces gens-là votent souvent Donald Trump, des gens qui sont peu éduqués, peu intéressés par la politique et qui vont voter. Fait que nous, là, le, la hantise du sondeur, c'est de sous-évaluer la droite. Parce que souvent, c'est ce qui arrive aux élections par ces électeurs-là. Tu ne les rejoins pas par les moyens usuels, que ce soit le sondage téléphonique, ils en fait très peu. Nous, c'est plutôt du sondage en ligne ou l'ensemble des autres méthodes qu'on utilise pour aller rejoindre ces gens-là. En France, on a un peu le phénomène. On a eu le phénomène longtemps avec Jean-Marie Le Pen, qui était toujours sous-évalué. Un peu avec Marine Le Pen, mais elle sait, elle est un peu plus centriste qu'elle l'était avant. Et les sondeurs sont plus précis à l'égard de Marine Le Pen. Mais ce qui n'est pas le cas avec Donald Trump. Il y a beaucoup de gens. J'ai fait une présentation la semaine dernière avec le sondeur du Parti républicain et le sondeur de Joe Biden. On était ensemble à présent. Puis le sondeur républicain a dit quelque chose d'intéressant. Il, il y a 16 des électeurs républicains qui n'osent pas dire à leurs voisins qu'ils votent Trump. C'est 8 du côté démocrate. Donc, il y a deux fois plus de républicains qui sont gênés de le dire verbalement, en tout cas oralement, mais qui, à la, à la fin, vont, vont, vont voter. ce qui fait qu'il y a beaucoup d'éléments qui perturbent le, 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 la science du sondage. On, on est dans un environnement un peu surnaturel ou artificiel, là, qui est difficile à, à mesurer. Ça étant dit, pour conclure là-dessus, c'est que les sondeurs nationaux sont relativement précis. Quand on regarde les sondages à l'échelle nationale, voyez, oui, c'est un, deux, points, il n'y a pas de problème. Mais c'est totalement inutile. Parce que ce n'est pas une élection, c'est 50 élections. Et là, quand on arrive dans des États. Comme en 2016, le Wisconsin, le Michigan, la Pennsylvanie, il y a des sondages qui se trompent royalement. Ou les sondeurs, la dernière fois, c'était la Floride et le Texas, où les sondeurs ont dit n'importe quoi. Et c'est là que ça devient important et c'est ce qui perturbe le résultat final entre le fait que Hillary Clinton, qui a eu plus de votes que Donald Trump, comme les sondeurs le disaient, mais Trump a gagné dans plus d'États que ce qu'on qu'on qu qu prédisait. Donc, c'est ces variables-là qu'il faut tenir en, 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 en compte. Exactement. On va en reparler. Je voudrais revenir deux secondes sur sur, sur ton sondage, sur le, sur cette réponse sur euh, euh, Trump euh, reconnu coupable et emprisonné. Moi, je pense que le scénario le plus probable, grâce euh, grâce aux appels, par exemple, c'est que avant l'élection, Trump soit reconnu coupable, mais ne soit pas emprisonné. Donc, tu vois cette cette espèce de dichotomie, et donc. Euh, est-ce que tu as le sentiment c'est plus un sentiment parce que vous avez peut-être pas posé la question comme ça que euh, une simplement une euh, comment dire ça une reconnaissance de sa culpabilité euh, mais pas un emprisonnement grâce euh, aux appels aurait un impact encore plus limité sur euh, sur l'élection sur l'électorat Ouais en passant c'est tableau suivant c'est celui du 11 là c'est si jamais il peut mettre l'autre tableau mais sur ce que vous ce que je viens de dire est tellement important quand, on, on s'était dit, quand il va être accusé avec le mugshot, et on va le voir avec la photo, on va être, ça, ça va être catastrophique. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a transformé ça dans une opportunité extraordinaire. Cette photo-là, là, qui normalement aurait dû faire mal à l'image de Donald Trump, c'est une photo de, 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 de quelqu'un qui était accusé. Et ça a été totalement l'inverse. Il s'en est servi sur des chandails, sur des tasses, un peu partout. Le ton, vous voyez, il a dû pratiquer sa mimique là sur cette photo-là. Ce ton-là, ce visage-là, c'est celui-là que les Américains aiment. Parce qu'il y a une leçon, William, que j'ai appris au fil des années. Les Américains préfèrent un homme fort, même s'il se trompe, à un faible, même s'il a raison. donne cette image winner à l'Américaine, que les Américains aiment. Et les gens se disent, il est menteur. Les politiciens sont tous menteurs. Il a fraudé. Ils ont tous fraudé. Joe Biden, vous savez, parlez-moi d'Hunter Biden, parlez-moi de tout ça. Ils sont tous pareils. Fait qu'il a ramené ça tellement à son plus bas dénominateur commun qu'il réussit par sa personnalité à, 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 trans, à transcender tout ça. D'ailleurs, on en parle encore aujourd'hui. Ça intéresse, ça nous intéresse, probablement, ça intéresse les gens qui nous écoutent. Pourquoi? Parce que Donald Trump est tellement attirant et vampirisant qu'on en parle encore aujourd'hui. C'est ce qui réussit à passer au travail. Donc, s'il n'est pas en prison avec des menottes, et derrière les barreaux, à mon avis, il va réussir à s'en servir à son avantage. Non, non, c'est certain. Et, et par rapport à cette, euh, à cette photo, euh, je, on ne l'avait pas traitée dans la chute, mais j'avais fait un article en France sur ce sujet-là, euh, dans france Tireur, pour raconter les coulisses de ce, de ce mugshot, combien, euh, combien euh, de temps il avait. Euh, il avait euh, ils avaient fait différents essais pour savoir quelle pose il devait prendre. Et cette pose-là, euh, en fait, euh, pourquoi tout de suite elle a résonné avec nous Parce que euh, c'est la même cravate et c'est la même attitude, le même regard, la même, euh, même manière dans le visage, je pense, de sa photo officielle à la Maison Blanche. Donc, il a fait que son mugshot soit la même photo que euh, sa, photo, euh, sa photo de président. En gros, c'était pour lancer le message. Je sais pas si tu te rappelles, il était arrivé euh, avec un convoi euh, de, de sécurité avec des motards qui l'encadraient. C'est quelque chose aux États-Unis, il faut le comprendre. Il suffit de payer pour avoir accès, euh, pour avoir accès euh, à, ce genre de, à ce genre de protection. Ce n'était pas lié au fait que ce soit Donald Trump. Ça a été payé par sa campagne parce qu'il voulait donner l'image que, euh, que euh, c'était toujours le président en exercice qui venait. Et donc cette pause est volontairement dans cette attitude, et en plus évidemment cette attitude de l'homme fort. Je me rappelle en 2016, lorsque j'avais publié la, sa photo officielle avant qu'elle qu sorte, j'avais eu accès à ça très rapidement, euh, je me rappelle que sur Twitter, les gens n'y croyaient pas, ils pensaient que c'était un faux, parce qu'il avait, avait cette grimace euh, qu'il a habituellement, c'est très fermé dans sa photo officielle. Et, euh, et, et, et là, du coup, c'était leur dire non, c'est parce que il veut jouer l'homme fort. Et c'est d'autant plus important, c'est un autre aspect des, des sondages, qu'aujourd'hui, pour gagner en 2024, Trump a besoin du vote latino, par exemple. Pas dans sa totalité, mais il a besoin de l'enlever partiellement à Trump. Et on s'est rendu compte que c'est la catégorie... Euh, d'électeurs qui vient souvent de euh, pays qui ont su, souffert de, de dictatures, souvent de gauche, en, en, en tout cas, ou, et qui ont quitté ces pays-là, et qui sont très sensibles à cette image de, euh, de, 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 de leader, d'homme fort. Et Trump, pour gagner en 2024, il va avoir besoin de cultiver encore plus ça. D'où son discours euh, dans ses derniers meetings de de tuer les gens euh, qui, volent, euh, qui volent dans les, dans les supermarchés, euh, d'être de, de plus en plus violent. C'est un calcul C'est un calcul politique. Oui, c'est la clientèle cible. C'est ce qui a failli lui permettre de gagner en 2020, parce qu'il y a eu un déplacement du vote hispanique. Parce qu'on se rappelle, l'élection de 2016, il avait attaqué directement le vote hispanique dès qu'il est entré ça, en campagne. Oui, il avait commencé par ça. Commencé par là, il a maintenu hein, tout son discours anti-immigratoire, que les Mexicains qui venaient voler leur, leur job, violer leur femme et tout ça, c'est assez euh, exceptionnel. Et en 2020, il n'a pas tenu ce même discours-là. Et c'est ce qu'il a fait euh, au Texas, c'est ce qu'il a fait en Floride, qu'il a gagné euh, ces, ces États-là parce qu'il y a eu un déplacement. Ce qui n'est pas vrai pour les Latinos à New York ou en Californie ou à d'autres endroits, mais c'est une question de temps. Euh, sa campagne, il euh, y, y a eu un livre, je ne sais pas si vous le connaissez, probablement « le, le, Les ingénieurs du chaos » qui a été publié dernièrement, qui explique dans le fond toute la mécanique derrière, qui ressemble non plus à celle de, du Brexit ou à celle de Matteo Salvani en, en Italie, qui est d'aller chercher dans le fond sur les médias sociaux les peurs des gens et de les nourrir individuellement. Il y avait plus que 6 millions de campagnes publicitaires différentes de Donald Trump à l'élection de, de 2020. C'est-à-dire que si on s'adresse à la clientèle hispanique qui revient dans des, des pays où il y a eu des difficultés avec… Euh, avec les dirigeants locaux, ils ont une campagne différente que quelqu'un qui est, qui est quelque part en Californie. Il a cette puissance-là des médias sociaux, il récupère les peurs de, de toutes les gens. C'est quand même particulier, William, qu'un homme comme celui-là, qui, qui est très violent verbalement, qui a un, un, un caractère très bouillant, et de l'autre côté, qui a eu toute sa, sa, sa vie privée qui était allée au publi, euh, publiquement avec euh, trois divorces, euh, qui a couché avec une porno, une actrice porno et tout ça, et qui est appuyé par les évangéliques américains à quasi 90 mais Il y a plein de contradictions parce qu'il réussit à ramasser tous les anti-systèmes derrière lui. Et, et, et il y a toujours eu des, des personnages un peu fous en politique, mais jamais avec autant d'appui. Ce qui fait la différence de Donald Trump, c'est la force qu'il a. Qu'il entraîne ces gens-là derrière lui. Et si les gens prennent pour acquis que Donald Trump sera, va perdre les prochaines élections, à moins qu'il soit emprisonné. À mon avis, la seule manière qu'il ne pourrait pas gagner, c'est que s'il est emprisonné. Sinon, il s'en va allègrement vers la victoire. Mais comme j'ai dit, ne croyez pas les sondeurs quand ils vous parlent d'avenir. <laughs> Exactement. J'ai je, 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 pas la même, in j'ai pas la même analyse que, 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 que toi sur, sur, sur le résultat final à l'instant. Mais euh, je ne dis pas que ça va être simple. Il y a eu des, des changements démographiques extrêmement importants euh, après euh, après Covid. Je vais te donner un exemple, et c'est un état clé que je connais bien, c'est le Nevada, euh, où euh, les, les démocrates ont gagné en, en, en 2020 grâce grâce à Las Vegas, euh, euh, qui est un qui est vraiment un centre euh, démocrate, une grande ville démocrate au euh, au au Nevada et euh, avec Covid, on s'est rendu compte que énormément d'habitants de, 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 de la Californie, donc qui est l'État voisin, euh, qui étaient républicains et qui se sont opposés euh, au euh, confinement euh, euh, imposé par le, 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 le gouverneur démocrate, sont venus euh, s'installer, euh, sont venus s'installer au Nevada, donc vont perturber euh, cet équilibre-là. Ce sont des gens qui ont quitté Los Angeles, qui étaient républicains, où leur voix était noyée dans un dans, dans un état qui est largement euh, qui est largement démocrate. Et là, d'un coup, ils sont venus euh, au, au Nevada où la où l'écart entre le démocrate et les républicains sont beaucoup plus faibles. Donc, ils peuvent faire basculer comme ça. Le démocrate. En Floride, on s'est rendu compte de la même chose, même si la Floride était déjà euh, euh, républicaine. La Floride est un État perdu euh, pour les démocrates pour euh, plusieurs années, parce qu'il y a eu ce transfert de population de républicains qui étaient dans des États souvent démocrates, qui se sont sentis euh, brimés par, euh, par les, les, les politiques euh, Covid, et qui sont venus s'installer dans des endroits qu'ils pensaient qui étaient plus favorables à leurs idées. Donc c'est pour ça que je pense qu'en Floride, euh, Trump va faire un énorme, un énorme score. Le texte Texas, qui était peut-être prêt à. J'y crois pas, hein. j'ai habité 15 ans au Texas, mais bon, qui était présenté comme euh, cet état qui pouvait peut-être basculer, a eu ce même euh, mouvement de population de gens qui sont venus s'installer euh, au Texas parce qu'ils euh, habitaient dans des états limitrophes comme le Nouveau-Mexique, euh, qui, euh, qui était démocrate en se disant il faut aller se, pro se protéger, ou de Californie, et le Nevada aussi. Et ça, ça va avoir, euh, ça va avoir un impact. Euh, important euh, sur euh, sur l'élection et, et on en revient à ce que tu disais tout à l'heure c'est que euh, ces sondages nationaux dont tout le monde parle ces fameux horse race euh, entre Biden et euh, entre Biden et, et Trump ont peu d'intérêt finalement euh, à part faire des gros titres à part faire les manchettes parce que dans la réalité on a 50 scrutins euh, aux États-Unis 50 scrutins, et surtout 6 états clés. Si on peut remettre la carte, là, vous avez des états qui étaient un peu plus en bleu foncé, vous savez, parce que ce que vous venez de, ce que tu viens de mentionner est important. Vous voyez, on a voit le, le, Nevada, en bleu, vous avez l'Arizona, vous avez la Georgie, la Pennsylvanie, le Michigan, le, le, le Wisconsin. Il y a eu des, un sondage dernièrement, et dans les six états où, que Biden avait remporté, 5 sur 6, aujourd'hui, voteraient, voteraient pour Donald Trump. C'est le sondage du New York Times avec Siena, là. 5 sur 10 à ce moment-ci. Et ça, c'est son meilleur score depuis l'élection de 2020. C'est que la tendance a été favorable à Donald Trump au, au fil des derniers mois, euh, malgré tout. Et encore là, s'il y avait élection aujourd'hui, ces États-là, c'est pour ça qu'en bout de ligne, on parle de 50 États, mais on sait exactement ce qui va se passer en Californie ou au Nebraska ou en Louisiane. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a cinq ou six États où là, ça risque d'être extrêmement serré à la fin. Et ça dépend de tellement de facteurs, parce que chaque, chaque État a des enjeux locaux. Souvent, on ne comprend pas à, au niveau national. Regardez, vous voyez les États-Unis, hein, c'est comme si l'Europe en entier votait. Les 330 millions de personnes votaient pour choisir. Il y a une différence entre la Hongrie, euh, l'Italie, la, la, puis euh, la, le Portugal. Hein. C'est la même chose aux États-Unis. Ce sont des réalités régionales qui sont très, très fortes et très euh, ancrées. Et c'est pour ça qu'il faut suivre plutôt les cinq, si je dirais une dizaine d'États pivots euh, qui vont faire la différence. Fais? Et, et quand tu parles d'enjeux locaux, euh, c'est vraiment euh, le point euh, le plus important et c'est souvent ce qui explique les erreurs euh, des sondeurs, euh, parce que euh, ils, a, ils ont du mal à mesurer euh, ces, euh, ces, ces, ces questions, euh, questions d'opinion. On l'a vu en 2022 lorsque, euh, et on pouvait comprendre pourquoi on nous annonçait une vague rouge. Euh, en 2022, euh, élections intermédiaires qui sont toujours favorables aux partis, partis d'opposition, situation économique qui était extrêmement, euh, extrêmement difficile, et les républicains qui au contraire cartonnaient euh, dans les sondages comme ils l'ont fait en 2020 aussi, et c'est encore le cas aujourd'hui en disant que c'était eux qui pouvaient apporter des solutions économiques. Et finalement, on s'est rendu compte que ça n'a pas été le cas parce qu'il euh, y avait au niveau local des enjeux sur euh, l'avortement. Euh, par, par, par exemple, qui ont fait que des gens qu'on n'arrivait pas à mesurer l'opinion euh, sont allés voter. Et on l'a encore vu la semaine dernière, euh, donc dans plusieurs États, y compris des États républicains, où à chaque fois qu'il y a des questions importantes, qui étaient à la fois la marijuana, mais aussi euh, surtout euh, l'avortement ou des questions liées à la démocratie, que les électeurs se déplacent. Contrairement, ils peuvent avoir une opinion dans un sondage dire qu'ils sont mécontents de la situation économique, mais ils vont quand même aller voter et ils vont s'opposer à ces partis euh, qui, qui, qui sont aujourd'hui contre l'avortement. Et tout l'enjeu des démocrates aujourd'hui, c'est de placer, parce que comme je le rappelle souvent, en 2024, on ne vote pas aux États-Unis pour une seule chose. C'est aussi Alors, une, un problème de perception qu'on a quand on connaît le modèle français, où c'est l'élection présidentielle. Aux États-Unis, on va voter pour euh, à la fois pour des délégués euh, scolaires jusqu'à la présidence le, le même jour et des questions référendaires de, 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 de référendum. Et donc aujourd'hui, l'enjeu des démocrates, il y a un gros mouvement en Nevada pour le faire, c'est que des questions sur l'avortement figurent. Par exemple, au scrutin 2024, pour s'assurer que l'électorat démocrate et l'électorat indépendant, parce que comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, c'est dans ces catégories-là que l'élection va se jouer, viennent voter et votent contre, contre les républicains. Donc, c'est ça ce qui rend ton travail difficile, à mon avis aussi. Mais ce que je mentionne, c'est tellement important parce que les États-Unis sont la seconde démocratie au monde, si on considère l'Inde comme un pays démocratique. là. Et pourtant, l'élection n'est pas très démocratique. Quand on réussit à imposer une question comme en Ohio sur l'avortement, on vient de changer complètement la dynamique électorale dans, dans, dans cet état-là. Et ces référendums-là ont une importance considérable. Il y, a, il y a, contrairement en France ou au Canada... Il y a souvent, dans, sur le bulletin de vote, 10, 15, 30 choix. C'est arrivé jusqu'à 30 choix que l'électeur doit faire parce qu'il choisit le shérif, il choisit le, 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 procureur général, il choisit, dans le, dans le même vote. Ça que ça perturbe un peu. On n'arrive pas là pour voter pour Marine Le Pen ou Emmanuel Macron, là. C'est pas un choix binaire, là. C'est un choix qui est très complexe. Et ce qui fait que ça, ça perturbe un peu le résultat dans, dans, dans chacun des, chacun des États. Mais il y a aussi, en rajoutant ça, il y a aussi un facteur important, parce que le sondage est un instrument. À mon avis, c'est un très bon instrument s'il est bien utilisé, mais n'est pas le seul. Parce que le sondage mesure de la perception, de l'opinion, c'est fluide ça. En même temps, il y a toute une science qui s'est développée dans les campagnes électorales pour mesurer le comportement des gens. Par exemple, est-ce que tu t'es déjà fait avorter ou pas? Ben Forcément, tu es dans une clientèle plus particulière. Et donc, le micro-ciblage des campagnes électorales est poussé à son maximum où on rejoint des clientèles différentes sur les médias sociaux et on les nourrit et on, les, on, on leur permet d'adhérer à des groupes, à des tribus sur les médias sociaux qui, dans le fond, se motivent l'un et l'autre jusqu'à la campagne électorale. qu'il y a beaucoup de mouvements en dessous à cause des enjeux de la campagne électorale qui sont directement sur le bulletin de vote. Et je dirais une chose pour ceux qui nous écoutent, vous voulez vraiment savoir ce qui se passe aux États-Unis, ça c'est l'ancien organisateur en chef de John McCain, candidat républicain, qui m'a dit ça dans une convention où j'y étais. À, à, chaque, à chaque quatre ans, moi, je suis aux conventions. William, je sais pas si tu ce seras aux conventions démocrates, républicaines. C'est, c'est fascinant, hein, parce qu'au-delà des Sinon. ballons qu'on voit, au au-delà des ballons, il y a en dessous beaucoup d'activités puis d'événements qui sont là. Il m'a dit un conseil. Si vous voulez suivre la politique américaine, oui, suivez les sondages, oui, mesurez le comportement des gens et les enjeux de ce référendum, but follow the money. Non, c'est sûr. Le fond... Les électeurs votent avec leur portefeuille, c'est-à-dire que vous voyez la masse d'argent. Qui ramasse le plus d'argent? Prenez état par état, est-ce que c'est le gouverneur en place, c'est l'opposant, qui ramasse le plus d'argent? Vous allez voir, c'est un facteur prédictif du résultat. Et, et ça, c'est à suivre à, 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 durant la campagne électorale, parce que contrairement au système canadien ou européen, il n'y a pas de limite monétaire. Il y a toutes sortes de mécanismes qui permettent que les groupes, les groupes de lobby peuvent influencer la campagne. Et vous voyez qu'à chaque élection, celui qui ramasse le plus d'argent, c'est celui qui gagne. Et on parle d'ici d'une élection qui va être de 1,5 à 2 milliards de dollars d'investissement privé. Et ça, c'est le facteur vraiment à surveiller. C'est tout à fait ça. Euh, je reviens sur le Nevada, que je connais bien forcément à Las Vegas, et parce que pour moi, c'est un microscope. Un micro, euh... <laughs> non, mais euh, euh, enfin bon, c'est un magnifique échantillon de ce qui se passe à l'échelle américaine parce que on a les mêmes changements démogra démographiques qui sont là euh, en, en, termes de, en termes de race et en termes d'âge, etc., etc. Donc je trouve que c'est très bien. Et on avait vu lorsqu'on suivait la campagne pour le, le, le gouverneur, c'est le seul euh, État euh, des États-Unis où justement euh, le gouverneur sortant démocrate a été balayé par un, euh, un, un gouverneur euh, Maga, pour le coup, soutenu, euh, soutenu par Trump. Et on voyait, et, et, et les, les enquêtes d'opinion étaient légèrement en retard sur ça, on a vu un moment lorsqu'on suivait les dons, parce que c'est un pays qui est complètement fou, parce qu'on parle à la fois de dark money où les, euh, les, 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 les soutiens financiers multiplient euh, toutes, les, euh, toutes les entourloupes légales pour donner plus d'argent à leurs candidats. Et donc, on voyait peu à peu, on a vu un moment où ces deux courbes se sont, crois, sont croisées, où d'un coup, le gouverneur sort avait moins d'argent que le candidat qui était contre lui et à la fin c'est le candidat qui était contre lui qui a gagné parce que c'est lui qui a touché le plus d'argent et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure de ces, de ces décisions qui se font dans les derniers jours c'est l'efficacité de la publicité de la publicité ciblée et effectivement Trump a été redoutable sur ça en 2016, et il a été redoutable sur ça en 2020. La publicité aussi pour faire adhérer à la fois à des causes. D'ailleurs, ce qui était bien de voir que les démocrates en Ohio pour ces histoires d'avortement ont repris le thème euh, qui était celui des républicains pour le vaccin en disant c'est pas à l'état de vous dire ce que vous devez faire c'était la même le même le même thème que pour pour le pour le pour le vaccin lorsque les les républicains étaient opposés et euh, aussi toutes ces pubs pour dire pas, pas dire forcément pour pas convaincre d'aller voter pour Trump mais ne pas aller voter euh, pour pour Biden et ça il y a que l'argent qui achète ça et donc, ce conseil de follow the money, c'est effectivement un des conseils les plus importants pour essayer de décrypter, d'anticiper euh, sur euh, sur ce qui va se sur ce qui va se passer. J'en ai un autre que j'ajouterais, c'est euh, le sondeur euh, à ma conférence a dit une fois, a dit euh, le sondeur d'Ipsos, Clifford Young a dit euh, qu'il évaluait chez Ipsos euh, la meilleure façon aux États-Unis, ce qui n'est pas toujours le cas en France ou ailleurs, mais aux États-Unis, 85% des euh, des élections ont été gagnées par le candidat qui est le mieux positionné sur l'enjeu principal. Et on sait qu'aux États-Unis, l'enjeu principal a toujours lié à l'argent. On se rappelle l'expression de Carville, « It's the economy, stupid, stupid. » aux États-Unis. Ouais. C'est tellement vrai parce que le coût de la vie est l'enjeu numéro un actuellement. L'accès au logement est aussi un, un enjeu important. Vous avez Alors que le terrorisme, oui, les, il y a des enjeux qui sont plus secondaires en élection. Mais c'est toujours très monétaire. Et là-dessus, M. Trump domine M. Biden par du 2 pour 1 à ce moment-ci. Malgré que l'économie va bien, malgré que l'inflation régresse, la perception du self-made man, du businessman américain qui a réussi, avec entre guillemets en tout cas la perception qu'il a réussi, fait qu'il est bien positionné. Et donc quand tu quand tu es le meneur sur l'enjeu principal, c'est aussi un atout important dans une campagne électorale. Et, et, et ce positionnement, il est aussi euh, il est aussi euh, euh, il est aussi bien il, il est aussi là aujourd'hui. Parce que les républicains, il y a six mois, ont eu cette intelligence d'utiliser de, euh, de, une des règles qui avait été mise, euh, tu t'en souviens forcément, de la deuxième campagne de George Bush, au moment de la convention, lorsque les républicains, les démocrates avaient présenté John Kerry euh, en espèce de héros, euh, ce qui était son cas, de héros du Vietnam, etc. Les républicains, au lieu de fuir. Ce côté-là, par ce côté, George W. Bush, lui, avait tout fait pour ne pas aller euh, au combat. Il s'était emparé de ça pour euh, transformer le point positif de euh, Kerry en point négatif. De telle sorte que d'un coup, euh, c'est une prise de judo. Les, 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 les démocrates ne pouvaient plus utiliser ce point fort qui était le point fort. Moi, je me rappelle avoir vu euh, en direct euh, la, 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 sur Fox News, d'avoir suivi ça, la campagne, la, la la Convention démocrate, il montre ce film bio qui raconte tous les exploits de John Kerry. Et là, on, on coupe sur Fox News sur euh, euh, le conseiller de, 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 de Bush concernant l'image, Karl Rove, donc cette espèce de, de, de génie qui est le Steve Bannon maintenant, si on veut, et qui tout sourire dit ⁇ Ah bah tiens, on a bien compris qu'ils euh, nous ont fait euh, le héros, euh, on va on va leur montrer ce qu'on sait faire. Et ils ont attaqué le point fort au lieu d'attaquer le point faible. Et là, les républicains ont fait exactement pareil sur les résultats économiques, de telle sorte qu'aujourd'hui, lorsque les démocrates parlent de Biden Economics et cette espèce de succès qui est un succès de la, de la politique de Biden, la perception des Américains sur ce mot est négative. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait des, des, des mauvais chiffres de l'inflation, et donc c'était des journées entières sur Fox News, les, 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 les républicains définissaient inflation Biden Economics, de telle sorte qu'aujourd'hui, quand Biden essaye de s'emparer de ce terme et d'en faire quelque chose de positif, pour les électeurs, c'est un, un terme négatif. Et ça, c'est une force des républicains, et ça va être une des difficultés de, de, de Biden, c'est comment il arrive à sortir de ça. Son seul espoir, c'est que finalement, d'ici un an, les résultats soient tellement flagrants sur le prix de l'essence, sur le coût de la nourriture. Etc., etc., que la question ne se pose plus. Mais ça va être un des enjeux de cette campagne 2024. Il y a aucun doute là-dessus. Et les républicains sont très forts pour simplifier les concepts. Hein. C'est comme il y, y a les bons et les mauvais dans l'esprit de, des républicains américains. Par exemple, sur Joe Biden, là où, là où il l'a attaqué, pour reprendre ce que tu as dit, c'est sur son âge. On l'attaque sur son âge. C'est vrai, il a 80 ans. Mais Donald Trump a 77 ans. Et puis, pourtant, la, la perception américaine sur le fait que Biden n'est peut-être pas apte à gérer les États-Unis est extrêmement négative. C'est un des facteurs clés actuellement qu'on qu n'appuie qu pas. Là, on parle beaucoup des avantages de Donald Trump puis le fait qu'il a tendance mais il y a un facteur majeur qu'il faut pas sous-évaluer. C'est contrairement à 2020, Joe Biden est au pouvoir. Puis un président américain a énormément de pouvoir, notamment sur l'agenda politique. Il peut contrôler, créer des événements. Il a une force politique qui est, qui est assez puissante à, qui, et qui va s'en servir. Parce que c'est une question de, de timing. C'est une question d'être fort au bon moment. Euh, on est à un an des élections. On est encore, encore tôt, là, mais il est temps que ça démarre. Et il est possible de créer ce momentum-là. Bill Clinton a vécu la même chose. Alors, il était empêtré dans les scandales avec Monica Lewinsky. Et là, il a commencé, dans le fond, à se... Un an avant la campagne, la dynamique a, a lancé. Le fait que les démocrates soient au pouvoir leur donne un, un acquis est considérable. Mais encore là, Donald Trump est tellement puissant, occuper tout l'espace que des fois, le message démocrate ne passe tout simplement pas. C'est la prime au sortant, effectivement, qui, qui, qui joue un énorme, un énorme avantage. D'ailleurs, on s'en rend compte, j'avais partagé il y a quelques. Où c'était Cody qui avait fait ça dans sa rubrique euh, il y a quelques semaines les, 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 et, et donc ça marie avec le follow the money euh, qui était l'argent euh, levé par euh, par Biden par rapport à l'argent levé par Trump et euh, Biden euh, explosé euh, Trump parce que il y avait ce côté président des États-Unis qui allait réclamer de de, de l'argent à ses à ses soutiens à ses électeurs c'est c'est un des aspects importants euh, justement pour terminer parce que je sais que euh, ça fait déjà euh, presque oh, ça fait déjà 50 minutes qu'on est ensemble et vraiment c'est extraordinaire je vois dans le chat Thomas met en avant les messages le public euh, notre public notre, nos spectateurs adorent et forcément euh, on euh, si as aimé l'expérience on refera ça mais je voudrais te montrer la, la, la moyenne de, avec toutes les réserves nécessaires que l'on a sur, euh, que l'on a dit et que tu es le premier à dire en termes de sondeurs sur ces fameux horse race, sur ces euh, sondages nationaux. Lorsqu'on prend la moyenne, je crois que c'est RCP que j'ai utilisé, même si j'ai des réserves sur RCP, c'est pas, euh, pas très grave. Euh, on va voir ça. Et je voudrais te, te montrer euh, et avoir ton avis. Euh, sur ce qui est pour moi un point essentiel à retenir. Donc en bleu, euh, je sais pas si tu vois le retour, en bleu euh, on a la courbe de, de, de Joe Biden, en rouge euh, on a la courbe de Donald Trump. Et donc on voit qu'aujourd'hui, aujourd'hui euh, en moyenne euh, Trump a un point et demi, je crois, d'avance sur euh, sur Biden. Euh, donc euh, premier enseignement intéressant. On voit que ce n'est pas la première fois euh, que les courbes se, se, se croisent, hein, que ça a, été, euh, ça a été le cas euh, l'été au début de avant l'été avant l'été dernier. Mais moi, ce que je retiens quand je vois cette courbe là, c'est que euh, en gros euh, Biden, à part l'été dernier, il ne s'effondre pas. C'est-à-dire que entre le, le décembre le début de, sondage, je crois que c'est sur, sur un an. Euh, euh, lorsqu'on voit en décembre 2022, il est en gros à 45, aujourd'hui il, il est à 45. Donc il ne s'est pas effondré. Ce qui s'est passé, c'est que euh, Trump s'est amélioré. Donc ça veut dire que malgré toutes les critiques qu'on fait euh, quand on parle de l'âge, quand on parle de la situation économique, qui sont des points extrêmement valides, dans la réalité, euh, aujourd'hui, les intentions de vote de Biden sont à peu près les mêmes de ce qu'elles étaient il y, a, euh, il y a un an. Euh, et Trump, c'est augmenté. Et souvent, par expérience, euh, c'est parce que euh, je pense que en, le côté instantané euh, des, des sondages mesure aussi la motivation et l'enthousiasme des lecteurs à aller voter en ce moment. Et euh, c'est un point que j'ai mis souvent en avant lorsque... Euh, on va discuter euh, avec les électeurs aujourd'hui. J'ai des électeurs MAGA, j'ai un voisin qui est un électeur MAGA euh, d'ailleurs. Euh, on se rend compte que ces gens-là, euh, depuis deux ans, euh, Trump les a préparés à aller voter tout de suite. Là, ils sont prêts à aller voter maintenant. Donc, il y a un taux de motivation extrêmement important. Ils sont animés d'un sentiment de euh, vengeance, de revanche. Parce qu'ils sont persuadés qu'on leur a volé l'élection. Et aujourd'hui, toutes les plaintes, toutes les affaires contre Trump viennent nourrir ce sentiment encore plus en disant Regardez, non seulement ils nous ont volé en 2020, mais là, ils vont essayer de nous voler en 2024 en empêchant notre candidat d'être élu. Et par contre, du côté démocrate, on a le sentiment que l'élection, c'est dans un an. On verra, euh, ouais, Biden, euh, il est vieux, peut-être il y a d'autres options, alors qu'il n'y en a vra pas vraiment, euh, sauf s'il y avait un problème majeur de, de santé euh, de, de, de Biden. Et donc, on sent pas cette même motivation des euh, démocrates à, à, aller, euh, à aller voter par rapport à la motivation des, actuelle des républicains à le faire. Et pour moi, ça explique aussi ce qu'on voit, euh, qu voit dans les sondages. T'en penses, penses quoi de tout ça D'abord que les, les, les démocrates mobilisent leurs électeurs, pas sur leur plateforme, mais sur la lutte sur l'avortement. La, Ce qui fait qu'elle n'apparaît pas encore dans la dynamique, mais plus on s'approche de l'élection, plus la motivation démocrate va, va être élevée. Ce qu'on voit, c'est que ça a commencé au mois d'août et septembre. Vous savez, la courbe qui descend, le rouge qui descend au mois d'août et septembre, c'est le début des accusations sur les et de ces différents procès. Ce que je disais un peu plus tôt, c'est qu'on voit la tendance à la hausse depuis septembre, là. Plus il y a de procès, plus il augmente. D'ailleurs, il avait dit, M. Trump, je suis à un procès de gagner l'élection. En boutade, il n'y a pas si tard, il n'y a pas autant tard qu'on le pense, là. Mais l'histoire n'est pas toute racontée dans cette carte-là parce qu'il y aura des trois, des candidats, d'autres candidats. Il y aura des candidats de tiers partis, comme M. Kennedy, il y a peut-être d'autres candidats possibles. On parle de trois candidats. Eux qui vont, qui vont perturber la campagne. Quand on se sait que ça joue à 1, 2, 3 des voix, là, ça risque de perturber la, la campagne d'avoir ces tiers partis-là qui, qui vont se présenter. Je me rappelle de Ross Perot qui s'était présenté, qui a fait perdre George, le père, George Bush, contre Bill Clinton, le troisième candidat. Des fois, ça peut avoir un impact. D'ailleurs, je voyais tout à l'heure, Robert Kennedy était, était un politicien populaire. 52 des Américains ont une bonne opinion de Robert Kennedy Jr., Probablement qu'ils ne savent pas de quel Kennedy canad qu'on parle, mais ça, c'est une, une autre question. <laughs> c'est une autre question. Exactement. <laughs> c'est autre... ouais. ah, et, et puis, puis, plus, plus serré qu'on le pense. On est à un mois d'élection. Comme sondeur, comme je disais tout à l'heure, c'est la tendance qui est importante. Celle de Biden est stable, celle de Trump est en montée. Euh, mais elle est fragile. Parce que cet électorat-là, quand même, euh, c'est un électorat frustré, c'est un électorat souvent qui a une émotion de court terme. Est-ce que ça va durer durant la première année? En politique, il faut que tu sois le plus fort. Lorsque l'élection arrive, si t'es trop fort trop tôt, des fois ça fait mal, surtout aux États-Unis. Ben, 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 C'est comme un sport hein, jetable. C'est la société où t'as un engouement pour un produit le jour un, puis jour deux tu veux plus rien savoir. Là, es. c est, c est, donc oui, mais, mais Trump préfère être à ce niveau-là aujourd'hui qu'avant qu parce qu'il peut encore conserver les gens autour. Trump va tomber le jour où les gens autour de lui vont le délaisser. C'est l'histoire de Richard Nixon avec le Watergate. Il a tenu fort longtemps, il était président des États Unis, jusqu'à temps que son chef de cabinet arrive dans son bureau pour lui dire Je ne peux plus vous soutenir. Il a dit Si même toi, tu ne me soutiens pas, je dois me retirer. Et tant que et c'est si vous voulez voir l'effondrement de Donald Trump, c'est quand il y aura un procès où il sera inculpé et emprisonné, si son entourage commence à le délaisser, ça c'est autre chose. Et c'est là, à mon avis, que ce château de cartes là peut, peut, peut s'effondrer. Personne ça, ne devrait ça? dire, mais c'est probable. Ouais, c'est pour ça que je dis souvent qu'il euh, faut voir de ce qui, ce qui va se passer, par exemple du côté d'un Mark Meadows qui a été son chef de cabinet et qui euh, a euh, collaboré à, à Washington avec euh, l'enquête du procureur Smith. Et euh, ce sont des gens qui vont venir euh, témoigner. La Géorgie, c'est pareil. La, la, sur les 150 témoins qui vont défiler euh, du mois d'août 2024 à euh, novembre 2024 à, à, à la date de l'élection. Je pense que j'ai regardé, j'ai regardé à peu près la, ce que pourrait être une liste, et je pense que je suis arrivé à 130, à 130 républicains. Donc euh, c'est clair que ça va être, ça va être important. Et sur ce dernier point de, de des élections qui peuvent être perturbées par un par un candidat, un, un candidat de troisième parti, on avait parlé de l'effet Jill euh, Stein et, euh, en en, 2000, en 2016 qui avait handicapé, et effectivement, qui a fait perdre. Hillary Clinton dans, dans, dans certains États. Et donc, rappelez-vous qu'en 2020, dans certains États comme l'Arizona, par exemple, on en parlait tout à l'heure, Biden a gagné de 11 000 voix. Ou en Géorgie, on en parle souvent avec les procès, Biden a gagné de 12 000 voix. Et donc, c'est aussi ce qui rend. Je sais qu'on est souvent très critique avec les sondeurs, et je ne le dis pas parce que tu es là, mais c'est ce qui rend aussi votre travail tellement difficile, on a cette spécificité où on a 50 élections, bon c'est clair, tu vas pas aller trop faire de sondages sur ce qui se passe en Montana ou en Californie. on est à peu près on, on sait à peu près ce qui va, comment ça va terminer euh, mais dans la réalité il y a 50 euh, élections avec des enjeux locaux et euh, finalement une élection qui va se jouer à quelques milliers de voix sur, et qui va avoir un effet sur la, 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 la totalité euh, du, euh, du territoire et là quand on a euh, 10 000, 11 000 voix d'écart, un, un candidat de troisième parti euh, peut faire une différence, mais complètement euh, majeure ou un changement démographique comme nous, euh, nous avons eu euh, au Nevada. Donc, euh, c'est ce qui va rendre le, ce, ce scrutin particulièrement intéressant. Et c'est pour ça que moi aussi, euh, au-delà des, des, des sondages. Je, je vais publier une fois par mois dans, sur KissKiss, Kiss, donc tu vas y avoir droit. Euh, mon baromètre, la chute de l'élection, où j'utilise énormément de, euh, de bases de données. Donc toi, tu parlais, j'insiste hein, parce que je sais que tu dois partir, mais toi, tout à l'heure, tu parlais de, de méthodologie, d'utiliser de, de, le, le téléphone. Est-ce que en plus, vous essayez de compléter vos sondages avec le, le nombre de personnes qui vont, qui s'inscrivent sur, sur les, sur les, sur les, sur les, sur les listes électorales, etc. Est-ce que vous avez la manière une, une Manière d'intégrer tout ça. Je, je vais te livrer un secret de sondeur. Pendant bien des années, la mesure du taux de votation, c'est la clé. Est-ce que je peux mesurer ceux qui vont vraiment voter? J'ai développé des modèles très complexes pour évaluer qui va aller voter ou pas. Et au final, c'est une question que je pose à une semaine scrutin. Là, je te dévoile un secret pour nos auditeurs, mais vous allez comprendre la logique. La question la plus forte qu'on pose pour savoir s'il va voter ou pas est la question suivante Quelle est la date de l'élection? Ah, excellent. L'élection est lundi prochain, c'est que tu vas voter. Si tu connais pas la date de l'élection, c'est que tu ne vas pas voter. Et c'est ça la, la science de sondage, parce que oui, c'est plus difficile à mesurer aujourd'hui. L'électeur est plus complexe qu'avant. Mais il y a une étude qui a été développée par des professeurs Jennings et Wilson il y a quelques années qui disait que les sondeurs aujourd'hui sont aussi précis qu'il y a 50 ans. La technique s'est améliorée de façon exponentielle, mais en même temps, l'électeur est plus complexe qu'avant. Et c'est toujours un défi. Moi, c'est pour ça que je fais ce métier-là. C'est un défi pour nous. Le plus difficile, c'est l'importance que les gens accordent un sondage. Parce que, comme je dis, le sondage est, est, déjà, est déjà passé. Et surtout dans une élection comme l'élection américaine, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'électeur ne se rappelle pas de ce que le, le, le candidat a dit. Il ne se rappelle même pas de ce qu'il a promis. Mais il se rappelle de l'émotion que le candidat lui a fait vivre. Et c'est sur une émotion... Qu'on arrive dans l'urne, dans l'isoloir et qu'on choisit son candidat. Et c'est pour ça qu'on a de la difficulté à cadrer Donald Trump parce qu'il a créé auprès des Américains une émotion tellement forte d'années de frustration où les États-Unis ont été des perdants depuis le 11 septembre 2001. Et lui, il leur redonne le winner à l'américaine, la volonté de gagner. À delà de toutes ces idioties, de ces fraudes, de son banditisme, tout ce que vous voulez autour, il y a une émotion qui est très forte, qui est en connexion avec l'Américain avec moyen, qui lui permettent d'envisager euh, de gagner. À travers ça, les démocrates, c'est à eux, dans le fond, parce que c'est à eux de contrer ça. Et, ils ont, et Biden ne suscite pas le même type d'émotion. Vous avez d'un côté un vote raisonnable contre de l'autre côté un vote émotif. Et ça, c'est la campagne électorale américaine. On dit au Québec, nous, parce que vous savez, on a eu des référendums et de tout ça. C'est qu'une élection, c'est qu'on on commence dans l'émotion et on termine dans. Pardon. Une élection on commence dans les chiffres et on termine dans l'émotion. Au référendum, c'est l'inverse. On commence dans les chiffres et ça se termine dans l'émotion. Et tout ça pour dire que, en bout de ligne c'est que la, la notion émotive est incalculable pour les sondeurs ou les pronostics ou les journalistes. Et la dynamique américaine, c'est ça. C'est fluide comme, comme celle-là, mais tout part, c'est comme du jello. Et le gelo va prendre d'un côté comme de l'autre. Pour l'instant, c'est encore visqueux, c'est encore peu clair, même pour le sondeur, mais c'est une question de, de semaines et de mois. Très mouvant. En tout cas, on, on, on va arrêter sur ça. C'est une conclusion fantastique. Et puis, j'ai vu les réactions vraiment. Euh... Euh, euh, tout le monde est, est, est fasciné par tout ce que tu nous as euh, raconté euh, aujourd'hui. Donc, forcément, forcément, il faudra que tu reviennes. Euh, C'est, euh, voilà, tu, as, tu reviens quand tu veux. Je vais te solliciter, mais si toi, euh, tu as un moment, tu as, tu as envie de venir parler d'un aspect, rebondir sur quelque chose, euh, tu es le bienvenu euh, quand, tu, euh, quand, quand tu veux. Donc, je voudrais te remercier euh, au nom de la, de la communauté La Chute. De ta présence et, et, et de ton soutien euh, aussi. C'est formidable de t'avoir parmi nous. Euh, donc voilà, merci, merci beaucoup Jean-Marc. Parfait, bien, au plaisir. Au revoir William. Merci beaucoup. Bye bye. Donc voilà, on fait un petit jingle et on revient tout de suite. Euh, en tout cas voilà donc Jean-Marc euh, est sur euh, Twitter j'ai partagé son, son 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 adresse dans le, dans le tweet pour annoncer euh, l'émission je vous invite euh, forcément à aller le à aller le suivre et puis euh, ce qui est fou avec Jean-Marc c'est que ce qui est formidable c'est que comme vous euh, Jean-Marc est euh, es un chutiste donc euh, voilà on a et donc euh, on a ce, ce privilège là euh, d'avoir quelqu'un qui euh, suit mon travail depuis euh, depuis plusieurs plusieurs années et qui, euh, avec qui je, je suis en contact de manière, de manière fréquente et donc il viendra euh, nous livrer euh, ses analyses. La beauté de la chose, c'est qu'ici, on a plus le temps euh, de parler que lorsque euh, l'on est euh, à la télévision. Donc voilà, donc, en tout cas, allez le suivre sur Twitter. Il a, des, des, il a toujours des, des, des tweets extrêmement, extrêmement intéressants. On vous remettra la l'adresse dans le, dans le chat euh, Telegram tout à l'heure. Je le remettrai euh, sur mon compte Twitter. Je ne sais pas. Je vais lui demander s'il si, euh, est sur Blue Sky. Et s'il n'est pas sur Blue Sky, je vais le convaincre de venir euh, sur Blue Sky en lui envoyant une invitation, euh, forcément. Euh, donc voilà. Euh, ce, qui, ce que vous devez savoir aussi en, 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 dans les petits secrets euh, techniques de la, de la chute, je voudrais vraiment... Euh, remercier et féliciter Thomas c'était notre premier direct euh, on n'a même pas pu répéter euh, on a travaillé euh, sans, euh, sans filet euh, donc euh, c'était la première fois euh, qu'on faisait ça d'avoir quelqu'un en vidéo avec nous. on avait déjà essayé euh, d'avoir du, du son on faisait comme ça dans le passé mais là on s'est dit ok on va essayer d'avoir euh, de la vidéo et que ça fonctionne et que ça soit gérable et que ça soit intégré euh, dans notre euh, dans notre dans notre logiciel. Euh, aussi, si c'est possible, donc merci Thomas, euh, encore, euh, encore une fois, je sais qu'il est, euh, est, euh, est gêné par ça, mais bon, non, vraiment, il a fait du super boulot euh, de gérer tout ça, vous aurez dû le voir, de balancer les, les, euh, les, les visuels en même temps, de jouer avec les fenêtres, etc. Et si aussi ça a été possible, c'est grâce à vous, merci, parce que cela signifiait l'obligation de passer à une version professionnelle de notre logiciel que nous utilisons pour faire du streaming. Et donc, qui dit version professionnelle, dit frais. Et donc, je vous dis ça pour vous montrer qu'à chaque fois que vous contribuez sur Kiss, Kiss Bang Bang ou sur YouTube, on a eu des super chats pendant, pendant que l'on parlait, bah finalement, ça sert à améliorer aussi l'émission. Et qu'aujourd'hui, pour nous, ça ouvre toute la possibilité d'avoir plus souvent des invités parce que c'est relativement simple. De leur, de, leur, de leur côté d'accéder à notre émission. La qualité de l'image et du son est bonne et ça permet cette interaction entre, entre moi et l'invité. Tout ça, c'est parce qu'on a pu passer à cette version professionnelle et on a pu passer à cette version professionnelle parce que euh, grâce à votre générosité et vos soutiens. Donc, euh, merci beaucoup. À ce sujet, je voudrais euh, remercier, euh, tant qu'on est là, mais c'est important, vous comprenez pourquoi je le fais euh, émission après émission. Euh, Marie, euh, pour son super chat, merci beaucoup, Marie, c'est très sympa. Merci, Danilou, euh, pour, euh, ta euh, pour ta ouais, une collaboration, pour ta collaboration, exactement ça. Euh, Jean-François qui dit invité incroyable, des informations très pertinentes et très clairement présentées. Par contre, plus je l'écoute, plus je crois que Trump va gagner. Non, ça on va en parler tout de suite. On va en parler tout de suite après. J'ai dit que je ne partageais pas la même, la même, la même ana analyse pour d'autres raisons. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que je lis dans une boule de cristal, mais si pour moi, si l'élection avait lieu aujourd'hui, au-delà des sondages, Trump ne pourrait pas gagner. Mais on va en parler tout de suite après. On fait une émission spéciale à sondage. Donc on va effectivement discuter de tout ça. Merci Jean-François. J'avais remercié tout le monde, Thomas. Voilà. Et donc j'ai n'ai pas l'ordinateur qui tourne. Donc j'ai pas pu voir si certains d'entre vous nous avaient rejoints sur Kiss, Kiss Bang Bang. Jean-Marc est euh, un de nos abonnés sur Kiss Kiss Bang Bang. Et donc, bah, faites-le, euh, il y a beaucoup de contreparties. Non seulement ça nous permet de planifier euh, l'émission, comme par exemple avoir planifié euh, cette émission aujourd'hui, cette interview, en ayant acheté euh, ce logiciel professionnel. Et euh, donc, ça nous permet euh, ce genre de choses de savoir à l'avance combien sur combien on peut compter, qu -ce que, quel va être notre, notre budget. Euh, on était avant l'émission, je crois qu'on était à 192. Notre objectif, euh, c'est d'arriver à 200. Si quelqu'un dans le chat peut aller voir à combien euh, d'abonnés nous sommes et le, et le mettre, bah, ça, sera, ça sera formidable. Je prends un petit peu de thé, on fait une pause et puis on va continuer sur les sondages. On va prendre vos questions, y compris sur l'intervention de, de, de Jean-Marc, euh, si vous en avez, et puis on va parler de tout ça à tout de suite sur le space de la chute. Voilà, donc on va revenir sur ces sondages et la question de, les questions de, de Jean-François et les votes. Vous savez que c'est un space, donc euh, qui dit space dit vraiment un format interactif. Donc euh, si vous avez des questions, c'est le moment de, de les poser. Euh, Thomas va me les, me les sélectionner. Est-ce qu'on a, est qu a le chiffre On est à 193. Ben voilà, euh, petit à petit, hein, pas, pas à pas, petit pas de fourmi, on arrive, euh, on arrive à ces 200. Donc voilà. Donc je compte vraiment sur vous. Et donc première question de euh, Christophe qui dit quels sont les États étant swing set ou à surveiller pour les élections 2024? Bon, on va reprendre la carte, mais euh, avant de répondre à cette question, euh, Thomas euh, avait sélectionné une deuxième carte qui est extrêmement intéressante. Donc là, c'est la carte classique euh, que euh, vous euh, connaissez tous avec ce mur rouge. Au milieu, bon, il y a le qui démarre au, au sud avec le Texas et, et, et qui va monter jusqu'au jusqu'au Dakota, là, tout tout là-haut. Euh, et donc, qui permet de dire souvent euh, au niveau des, des, des républicains, des envoyés, euh, si c'était pas pour la Californie et, et la côte est avec 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 New York, etc., la majorité du pays euh, est euh, est républicain. Euh, en fait, c'est une analyse qui est complètement faussée parce que euh, ces fameux États euh, du, du milieu que, 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 que vous voyez sur la carte sont les États les moins peuplés. Et donc Thomas euh, est allé vous chercher cette carte euh, qui est liée euh, sur, donc c'est la carte des grands électeurs, hein, le 306, comme vous le savez, il faut 270 grands électeurs pour devenir président des États-Unis. Euh, Biden en 2020 en a eu 306, euh, Trump en a eu 232. Et vous voyez par rapport à la taille de la population à quoi devrait ressembler euh, cette, cette carte-là, vous voyez ce, ce fameux énorme mur rouge euh, du milieu euh, finalement vu le nombre de la population, euh, il, est, il est quasiment euh, invisible. et que donc vous, on peut voir que en termes de population, euh, c'est très clairement euh, une, victoire, euh, une victoire de joe biden. et c'est quelque chose qu'on retrouve dans les chiffres de la, dans les chiffres de, de l'élection générale. mais euh, comme vous le savez, on en a parlé avec, avec jean-marc, euh, l'élection américaine ne se joue pas sur euh, l'élection générale, mais se joue sur euh, les, les grands électeurs, donc, donc les États. Et donc pour revenir à la question de Christophe, on va repartir sur la carte euh, normale, la carte, la carte classique, celle que vous connaissez tous. Et donc euh, on va voir qu'aujourd'hui, des États clés, on va commencer par, euh, par, euh, par l'Est, euh, il y a la Géorgie. Hein, forcément, juste au-dessus de la, de la Floride, où euh, Biden a gagné de euh, 12 000 voix. Euh, c'est un, 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 un état intéressant parce que la Géorgie est considérée, ce n'est pas un blue state, même si là, elle est, elle est bleue, ce n'est pas un red state. Aujourd'hui, c'est un purple state. C'est un état, hein, je vous en parlais tout à l'heure, c'est pour ça que c'est extrêmement important de compléter les analyses d'opinion par l'analyse de d'autres euh, données euh, qui sont des données fiables comme, les, euh, comme les, 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 les recensements, les inscriptions sur les listes électorales, le nombre de permis de conduire demandés dans un état de nouveaux permis de conduire qui vous permet de voir les, les, euh, les euh, les, les changements euh, démographiques et de voir que, par exemple, euh, dans tel ou tel état, il y a eu une croissance de la population de X% et que cette population, euh, au départ, venait de tel ou tel état et donc, par exemple, dans d'états plus euh, rouges ou d'états plus bleus. C'est le genre de travail que je, que, que je fais moi euh, à mes heures perdues, je ne suis pas le seul euh, forcément, euh, et donc euh, cela fera partie de ce baromètre la chute. Que je vous offrirai sur KissKiss sur Kiss une fois par mois. Et donc, la Géorgie est un de ces États en mutation démographique. Et ce qui lui permet aujourd'hui d'être ce qu'on appelle un Purple State, un État mauve, donc qui n'est pas encore rouge, qui n'est pas encore bleu, qui est en train de passer de ce statut de rouge à bleu parce que sa population euh, a, euh, a évolué. Euh, il y a eu beaucoup de, euh, de, de, de par exemple, de, de Noirs américains, euh, d'États euh, mitoyens, d'États du Deep South, du Sud américain, euh, qui sont des États euh, républicains extrêmement forts, qui ont quitté. Alors, on a eu le même phénomène au Texas euh, avec, après, par exemple, euh, Katrina euh, en, en Louisiane, où euh, on s'est rendu compte qu'il y a eu un transfert de population de la Louisiane vers le Texas, et particulièrement vers Houston. Résultat, résultat. première élection municipale euh, à Houston après euh, Katrina. Euh, Houston est devenue une ville démocrate. Dallas est une ville démocrate, sauf que le maire vient de changer d'étiquette euh, politique. Il a fait campagne comme étant démocrate parce qu'il ne pouvait pas euh, être élu euh, sinon. Et une fois qu'il a été élu, il a rejoint euh, le, parti, euh, le Parti républicain. Euh, et donc, la Géorgie il y a ce phénomène-là où il y a une partie de la population noire américaine de ces États euh, du Sud qui sont partis, pour des raisons souvent économiques, sont partis vers la Géorgie et qui ont modifié les équilibres. Et donc vous avez encore des terres euh, qui sont euh, extrêmement républicaines. Hein. C'est de la Géorgie que vient Marjorie Taylor Green, euh, par exemple. Et euh, d'un autre côté, autour des villes, dans Fulton County, donc Atlanta où Trump va être jugé, vous avez un essor de la population démocrate. Et ce qui permet aujourd'hui d'avoir, par exemple, les deux élus du Sénat, les deux, éli, les deux élus de la Géorgie, qui sont des démocrates. Donc c'est un État forcément à surveiller, avec une lutte très forte entre la ville et les campagnes. Et à la fin, ce qui va faire le scrutin en Géorgie, c'est... Quel est le parti qui va réussir à motiver le plus ses troupes Si les villes votent massivement comme elles avaient voté en 2020, Biden devrait gagner la Géorgie. Si les campagnes votent plus que les villes et que les villes sont moins motivées, Trump devrait gagner la Géorgie. Donc ça, c'est un des États, c'est un des États à suivre. Il y en a d'autres. Je ne vais pas vous faire la même analyse. De, de, de chaque état. mais lorsqu'on reprend la carte, euh, on va voir que sur cette carte, il y a aussi le, le, le wisconsin, euh, il y a le michigan, et il y a la pennsylvanie, euh, qui sont euh, des états qui euh, ont, ont une tradition. Euh, des, ce sont des états de, du rust belt, ce sont des états euh, de, où il y a un, un vote ouvrier. et donc c'est euh, des états qui ont euh, traditionnellement qui sont démocrates. Mais en 2016, erreur de campagne, double erreur de campagne majeure des, euh, des démocrates. Un, en choisissant Hillary Clinton euh, qui, a, euh, qui a un impact limité euh, avec cet électorat-là. Et deux, en considérant que euh, la présence démocrate est tellement forte dans ces États que ce n'est pas nécessaire d'aller faire campagne. Alors que Trump, lui, a compris que son discours porte dans ces États, et il va faire campagne dans ses États-Clés. Et à la dernière minute, à la surprise générale, il va remporter ses États-Clés, parfois avec 4000 voix d'écart, et qui vont lui permettre d'accéder euh, à la présidence. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, et donc c'est aussi répondre à la question de Jean-François de, 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 de la raison de mon, de mon optimisme pour l'instant sur une victoire de Biden, c'est que depuis... Cette infidélité euh, à deux, en 2016, euh, on s'est rendu compte que peu à peu, les électeurs étaient rentrés euh, dans le rang. 2018, 2020, où ces États sont redevenus, euh, sont redevenus euh, démocrates, et puis surtout les élections de, de, de mid-term de 2022 et les élections intermédiaires de 2023 qui ont permis non seulement aux démocrates de renforcer leur position, mais aussi de euh, détendre leur position et de gagner euh, tout ce qui était à peu près euh, à gagner euh, au, niveau, au niveau local. Donc on voit une résurgence, une résurgence très forte des démocrates dans ces États euh, dans ces États ouvriers. Et l'enjeu et maintenant vous le compreniez mieux, c'est que ces États-là ont été traversés euh, de grèves euh, récemment, euh, entre autres de grèves dans l'automobile, et on a vu un Biden qui était, euh, qui était euh, présent sur le terrain. C'était le premier président à avoir participé à ce mouvement de grève. Il est allé faire, faire du picketing, ce qu'on appelle. Donc, il est allé avec les manifestants euh, à, manif... à, à, à protester contre l'industrie automobile qui euh, refusait de reverser les, 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 dividendes, les dividendes de leur croissance. Et euh, avec le soutien du très, très puissant syndicat UAW, et euh, les syndicats ont gagné ils ont fait venir biden récemment pour le remercier en disant que un des facteurs principaux de leur victoire était le soutien de biden aux syndicats et ce soutien de biden aux syndicats est clé parce que les syndicats sont une formidable machine à motiver les troupes et à s'assurer que leurs, leurs, leurs adhérents votent le jour de l'élection, des fois même à organiser les bureaux de vote, à organiser des campagnes de signature. Et Biden a fait ce travail. Et Biden aujourd'hui a le soutien, contrairement à Trump qui avait eu leur soutien en 2016. Biden a ce soutien-là. Et dans la réalité, lorsqu'on regarde cette carte électorale et cette route pour arriver à 270, si Biden réussit à gagner la Géorgie et ces États-là, mathématiquement, Trump ne peut pas gagner. D'accord Après, autre état à suivre, donc là on part cette fois-ci la, sur, sur la côte ouest. Il y a l'Arizona, forcément. L'Arizona qui, vous le savez, s'est joué à 11 000 voix avec toutes ces campagnes. L'Arizona, c'est intéressant. On, hier soir, on s'est fait une réunion de travail avec Thomas et Cody. Sur euh, l'idée, on, on vous en a parlé, je ne dis pas qu'on va le faire, mais on explore les possibilités de faire des, des, des mini-documentaires dans des états-clés qu'on ne voit jamais euh, à la télévision américaine ou euh, on, on estime qu'ils sont maltraités, et donc d'aller vous montrer à quoi ressemblent les États-Unis, à quoi ressemblent ces états-clés, euh, d'aller dans le cœur du Nevada pour vous montrer que ce n'est pas que Vegas, et donc d'amener la chute en tour et euh, d'aller filmer tout ça et de faire ces, ces mini, ces, ces capsules de documentaires qui, à terme, feront le grand documentaire de l'élection 2024 de la chute. Donc on parlait de ça. Je sais que vous êtes plusieurs à soutenir cette, cette démarche et, et cette idée. Et on s'est dit, voilà, il faut aller en Arizona. Parce que l'Arizona, c'est un laboratoire, actuellement. Je vous expliquais tout à l'heure les mutations et, et, euh, démographiques. De la de, de la de la Géorgie, euh, on parlait avec Jean-Marc des, des mutations démographiques de la de la du Texas ou de la Floride euh, par exemple, mais euh, l'Arizona euh, c'est l'endroit euh, qui est en train de le plus de changer avec une montée importante de cet électorat hispanique que Trump essaye de séduire avec cette image euh, d'homme fort, avec les démocrates qui doivent absolument changer de message via cette population. Je pense que les démocrates n'ont pas compris que cette population a évolué, qu'aujourd'hui, la plupart des électeurs hispaniques sont nés aux États-Unis et sont fiers d'être américains. Donc, il ne faut pas simplement leur parler en termes d'immigration, de, de, de papier, etc., parce qu'eux se considèrent américains. Il faut plutôt mettre en avant leur, leur réussite et leur intégration et ça les démocrates vont devoir changer de changer d'épaule de, le fusil d'épaule parce qu'ils se trompent. mais en tout cas l'arizona a, a ce vote hispanique qui est maintenant établi depuis, euh, depuis euh, deux générations donc des qui sont des américains qui sont d'origine hispanique nés euh, aux états unis et c'est aussi euh, une des bases extrêmement fortes du mouvement qanon aux États-Unis, du mouvement libertarien et euh, du mouvement du refus de, 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 des résultats de 2020. Et donc, l'Arizona, on s'est dit, bah, tiens, si on part sur ces mini-docs, on va euh, aller euh, filmer hein, en Arizona euh, ce genre de, ce genre, ce genre de choses. Et donc, l'Arizona est un état à surveiller euh, parce que il va falloir pour euh, Trump euh, soit encore une fois séduire à la frange, ou soit euh, au niveau euh, des démocrates, s'assurer que euh, les nouvelles générations euh, hispaniques aillent voter, que les femmes aillent voter. Et donc c'est pour ça qu'il y a en ce moment une démarche extrêmement euh, organisée des démocrates de mettre ce référendum euh, sur euh, l'avortement. En question au scrutin de 2024. Et si les démocrates réussissent à mettre ce scrutin, euh, cette question-là euh, au scrutin de 2024, ça devrait leur assurer la victoire euh, en Arizona. Et puis le dernier, c'est le nôtre, euh, état à suivre, et puis ça tombe bien parce que on est là, euh, c'est le Nevada. Et donc là aussi, si on part sur ces médias documentaires, on va vous montrer à quoi ressemble le Nevada, que d'un côté, il y a Vegas, qui est une ville. Euh, qui est une ville euh, essentiellement, euh, essentiellement démocrate. Et puis, il y a le reste de l'État. Et que donc, Trump a, est, euh, est acquis, euh, est a, 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 une, a une victoire acquise euh, dans le reste de l'État. Hein. On va vous montrer des endroits où Trump a fait 75% des voix. Vous allez comprendre pourquoi une candidate comme Hillary Clinton, dans un État clé, ne pouvait pas gagner. Et euh, au-delà de ça, euh, il reste euh, Las Vegas, et où c'est extrêmement intéressant, comme je vous l'ai dit, mouvement démographique extrêmement important euh, ces derniers temps à Vegas, avec des républicains de Californie qui sont venus s'installer. Leur vote et leur argent ne servaient à rien euh, en Californie, mais peuvent tout changer en 2024. Donc voilà, c'était... Très longue réponse à la question de Christophe, mais je pense que ce sont des sujets qui sont fascinants. Et comme c'est une, une émission spéciale, sondage spécial 2024, c'était import important de passer par ça. Est-ce que Thomas, nous avons d'autres questions Donc, euh, euh, quoi, euh, comment, je ne sais pas comment ça se prononce. Euh, K0YAA -A qui nous dit euh, dans un super chat, merci, euh, quand est-ce qu'il y aura la bascule démographique au Texas le Texas comme vous le savez, euh, c'est un état que je connais euh, je connais bien euh, où euh, j'ai vécu pendant euh, presque de 15 ans presque 15 ans Cody est né euh, est né au Texas euh, d'où euh, d'où son prénom je voulais qu'on garde un souvenir de cette de cette de cette période-là il est né euh, il est né à Plano à côté de Dallas euh, et donc euh, la balance démographique je pense que euh, on se rend compte que au niveau des villes, euh, cette balance est en cours. Je vais vous parlais de, de Austin, je vais vous parlais de Houston, je vais vous parler de, de, de Dallas, euh, où il y a euh, de plus en plus un vote important euh, chez euh, démocrates euh, et entre autres chez les nouvelles générations. Ce sont des villes universitaires, donc euh, il y a vraiment. Euh, un, vote, euh, un vote plutôt pour la gauche que pour la droite. Après, restent euh, reste les campagnes. Et donc, on a vu un moment, effectivement, ces deux courbes euh, se rapprocher euh, au niveau du Texas avec les électeurs, euh, les électeurs démocrates, essayer de rattraper euh, des électeurs républicains, mais avec aussi des difficultés qui sont les suivantes. La première, c'est que avec le Covid, comme en Floride, il y a eu une arrivée d'une population qui est venue au Texas. Ça a commencé en fait avec Obamacare. Obamacare euh, obligeait les, euh, les entreprises à, euh, et, les, et les citoyens et les petits entrepreneurs à avoir une assurance sociale. Et donc il y a beaucoup d'entrepreneurs, de, beaucoup, de, beaucoup, beaucoup de petites entreprises qui euh, ont refusé cet état des lieux, cette obligation, et sont partis au Texas où l'imposition était moindre et il y avait des provisions spéciales pour éviter, éviter ce genre de choses. Donc ça a été un premier élan d'arrivée de, 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 de nouveaux électeurs républicains vers le Texas. Le deuxième, et c'est quelque chose qu'on va mesurer de manière importante lors du prochain scrutin, c'est Covid. COVID la Covid qui a eu un impact, c'est aussi quelque chose qu'il va falloir intégrer sur, sur les, les décès. Je vous avais publié sur Twitter l'été dernier ces études démontrant qu'il euh, y avait une surmortalité chez les électeurs républicains qui avaient refusé de se, de se faire vacciner. Donc, quel va être l'impact euh, au moment des élections du fait que dans ces États où euh, l'écart les, les se mesure en milliers de voix, bah une partie de l'électorat... Qui, euh, qui ne croyaient pas à la gravité de Covid, qui ne croyaient pas à la nécessité du masque, qui ne croyaient pas à la vaccination, est décédé. Et l'autre impact, c'est, euh, on l'a vu en Floride aussi, donc on en parlait avec Jean-Marc, c'est euh, ces habitants républicains d'autres États, d'États démocrates, qui ont quitté euh, l'État le, le, dans lequel ils vivaient parce qu'ils estimaient qu'il y avait une, une, une évolution vers une forme de communisme où on allait leur, les enfermer et leur retirer leurs armes et ces gens-là sont arrivés euh, au parti républicain euh, sont arrivés au Texas et donc sont venus renforcer les rangs du parti républicain le parti républicain qui en plus contrôle euh, l'essentiel euh, de l'appareil législatif et électoral euh, qui leur qui leur permet c'est un des états euh, c'est c'est complètement fou de le dire aujourd'hui mais c'est un des états où il y a le plus de freins pour aller voter on l'a vu c'était déjà le cas en 2020 dans des counties extrêmement populaires euh, comme euh, comme à Houston euh, par exemple euh, qui était une zone où on savait que les démocrates allaient voter par correspondance et en, et en masse, où les, euh, les, les républicains en charge de l'organisation de, de l'électorat avaient mis, euh, par exemple, je pense que le chiffre est là, mais dans une zone peuplée de plusieurs millions d'habitants, euh, il y avait à un endroit une seule urne euh, où vous pouviez euh, aller voter euh, par avance avec votre véhicule. Et c'était une manière d'empêcher les gens euh, d'aller voter. Et donc lorsqu'on combine tout ça, lorsqu'on combine le fait de la place de la religion euh, au Texas, de la place de, des armes au Texas, oui, je vois ces évolutions démographiques, mais à mon avis, euh, on n'est pas près de, de cette bascule-là qui est évidemment le jour où les démocrates auront le Texas, il n'y a, a plus, plus d'élections. Il n'y a plus d'élections possibles, il n'y a, possible, a plus de chemin possible pour les républicains pour gagner, mais on en, est, on, en est, on en est loin de là. En tout cas, ça ne se passera pas en 2024. Je ne pense pas que ça se passera en 2028, peut-être en 2032, mais on verra, on n'en est pas encore là. Et d'ailleurs, par rapport à ce système électoral, dans le sondage que que, que, que Jean-Marc nous a passé en exclusivité, hein, parce que les chiffres que vous avez vus n'ont pas été publiés ailleurs, il y avait euh, une, une présentation extrêmement intéressante sur la manière dont euh, les électeurs démocrates républicains voyaient le système électoral américain, de savoir s'ils considéraient qu'il était honnête ou pas. Et là, évidemment, c'est intéressant parce que ce sont des réponses euh, qui sont euh, motivées. Par, euh, par des intérêts euh, électoraux. Donc on voit que euh, 50%, en général 50% des Américains souhaiteraient que ce système de grands électeurs change. C'est souvent une des questions que vous nous posez. Donc on a la moitié de la population euh, qui euh, souhaiterait. Et puis, euh, lorsqu'on va voir euh, dans le détail par rapport à, à, à son attachement politique, on se rend compte qu'une très vaste majorité des démocrates souhaiteraient... Que le système change qu'on n'ait plus ce système de collège électoral avec ses grands électeurs mais que par contre les républicains souhaitent maintenir ce modèle là pourquoi parce que sans ce modèle là aujourd'hui dans l'amérique actuelle avec sa jeunesse avec euh, ses femmes avec sa diversité sans ce, ce modèle là les républicains n'ont plus aucune chance d'arriver à la Maison-Blanche. 2016, dernière fois qu'il y a eu un candidat républicain qui est arrivé à la Maison-Blanche, il a perdu le vote général, mais il a gagné euh, au niveau du collège électoral, au niveau des grands électeurs. Et donc c'est pour ça que les républicains sont attachés euh, à ce modèle-là. Ils savent que sans ce modèle-là, ils ne pourraient plus être à la Maison-Blanche. Voilà pour le coup, euh, la tradition, la constitution à Il y a eu des efforts. Pour, euh, pour, euh, pour changer, euh, changer euh, ces systèmes-là. La dernière fois que ça a été fait de manière extrêmement sérieuse, ça a été fait euh, dans, les années, euh, dans les années 60, mais ces efforts n'ont pas abouti. Et aujourd'hui, euh, ça serait impossible d'avoir une majorité aux deux tiers pour aller changer euh, ces lois-là, parce que les républicains, il en va de leur survie politique. Vico qui nous dit je me régale ce soir je n'ai pas le temps de venir participer au chat car William est passionnant ce soir cette émission est encore de haute volée ben, on essaye d'être là de vous proposer un contenu euh, un contenu non seulement euh, intéressant mais que vous euh, ne pouvez pas euh, voir ailleurs et du coup euh, Vico nous envoie un, un soutien financier de la force par un super sticker euh, merci Vico et puis vraiment euh, je, je... Je vais vous tenir informé, je pense que c'est important en, en termes de, de transparence, l'autre fois j'en parlais dans notre, dans notre chat Telegram euh, de, de, de la chute, si vous êtes sur KissKissBumBank, si vous êtes membre du Sénat euh, ou au-dessus, on a un chat euh, privé qui euh, fonctionne, euh, fonctionne nuit nuit et jour, on ne parle pas que de politique, on parle beaucoup cuisine. Hein. Euh, on parle beaucoup cuisine, mais euh, on échange des photos, on fait des paris, vraiment c'est super sympa. Et euh, je, je, je disais qu'il y a euh, une, une nécessité euh, d'avoir de la transparence. Nous sommes 100% indépendants, on, on, on arrive à planifier tout ça grâce euh, à vos dents, hein. vous êtes la seule source de revenus. De, 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 la, de, de la chute. Et donc, euh, c'est important de vous dire, voilà, ben, votre, vos dons ont servi à ça, ont permis d'avoir Thomas qui a un travail, de venir travailler pour nous pendant deux heures ou trois heures, euh, ont permis de passer à cette nouvelle formule. Euh, je pense que vous avez apprécié euh, en plus euh, d'avoir euh, des invités euh, en vidéo avec nous et qu'on va faire parce que maintenant nous avons pu euh, acheter cette version professionnelle. Donc merci euh, beaucoup euh, pour tous vos dents et comme le rappelle Thomas, il a tout compris, euh, il y a notre manière aussi de nous souvenir qui est extrêmement importante et qui est pour le coup euh, complètement gratuite, c'est abonnez-vous à la chaîne et cliquez euh, sur la notification. On en aura, euh, vous en aurez besoin dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Est-ce qu'on a d'autres questions sur euh, les sondages 2024, la carte électorale, etc.? C'est etc.? vraiment le thème de ce space, donc euh, profitez-en parce qu'on ne va pas revenir. Je sais que c'est des questions qui viennent très souvent sur, euh, sur X. Euh, J'ai pas le temps de répondre à tout, donc je le ferai pas. Et en plus, de moins en moins sur X. Euh, donc euh, allez-y, c'est le moment. Euh, Mel qui nous dit euh, au cas où Biden est élu, est-ce que les républicains du Congrès vont valider, reconnaître son élection euh, Dans la réalité, de toute façon, euh, le processus de validation euh, d'une élection se passe, euh, se passe du Congrès. Alors, euh, euh, le seul moment où le Congrès intervient, on l'a vu, c'est pour le 6 janvier, et c'est une, euh, c'est plus une certification euh, protocolaire. Euh, il faudrait que euh, les que des républicains se euh, refusent dans certains États, donc au niveau du Congrès et au niveau de, du Sénat. Ce sont des procédures extrêmement rares. Maintenant, la réalité, c'est que euh, de Mike Johnson. Le, pat, le, le, le speaker, est-ce qu'il y sera en, en 2024 euh, On n'en est pas là. On verra déjà comment il va survivre le, le, le débat sur le shutdown euh, en janvier prochain. Mais c'est vrai que de Mike Johnson à certains élus du Sénat, comme, euh, comme Ted Cruz, euh, par exemple, euh, ce sont des euh, personnalités qui euh, continuent d'affirmer aujourd'hui que Trump a gagné euh, l'élection euh, en 2020. Et que donc euh, et qui ont fait des démarches. Hein, on a vu euh, euh, Cruz était un des sénateurs euh, qui euh, s'est opposé à la certification des résultats dans l'Arizona dont je vous parlais, euh, dont je vous parlais tout à l'heure. Mike Johnson euh, a organisé au sein du, euh, de la Chambre des représentants, cette coalition d'élus qui ont soutenu cette démarche de partir à la Cour suprême pour essayer de faire annuler l'élection. Donc, c'est clair que s'il y a une fenêtre, s'il y a une fenêtre et si les résultats de l'élection sont serrés, parce que si on se retrouve avec, euh, je ne dis pas que ça va être le cas, mais imaginons un raz-de-marée euh, démocrate contre, bah, euh, contre, contre, contre Trump, euh, à partir de là, ça deviendra difficile. Mais s'il y a encore quelques États où les euh, républicains ont le sentiment que si on fait basculer cet État dans un sens ou dans un autre, ils seront tentés de voir ce qu'ils peuvent faire. Mais avec euh, l'évolution de la loi euh, électorale, je pense que euh, ça sera extrêmement limité. Mais évidemment, Mel, c'est quelque chose que je vais euh, suivre et dont je vous tiendrai euh, informé euh, à mesure que tout cela se passe. Martine, qui dit, est-ce que Biden lève toujours plus de fonds que Trump en ce moment Oui. Oui, oui. Donc si on, on, on part dans le Follow the Money, on avait ce tableau que Cody vous avait présenté, euh, qui est un tableau extrêmement intéressant. Il nous avait fait un hein, sous-le-radar sur, sur l'argent et le fait qu'une partie de cet argent euh, en plus euh, venait... Euh, principalement de, de, ce, de ce mouvement grassroots, qui sont donc des, des petits électeurs, et euh, Biden euh, était, euh, était, était devant, devant, loin devant, euh, loin devant euh, Trump, et ce qui était intéressant, on en revient aussi sur des points qui étaient, euh, qui étaient avancés par, euh, par, euh, par Jean-Marc, euh, qui était le fait qu'il y ait cette prime euh, au sortant et le fait qu'en tant que président des États-Unis, euh, Biden fait fréquemment lors de ses déplacements, en soirée, comme euh, Trump le faisait avant lui, euh, Clinton, Obama, ce que font tous les présidents. Donc, ils vont, par exemple, euh, inaugurer euh, une usine et euh, au même moment, le soir même, il y a un repas euh, levé de fond. Donc, euh, ils profitent aussi euh, de cette prime au sortant pour lever. Donc, voyons, on, le, on voit le tableau où pour les derniers trois mois, euh, le Q3, euh, l'équipe de, de Biden euh, avait euh, ramassé 1,6 fois plus d'argent que, euh, que Trump. Euh, donc c'est évidemment quelque chose d'extrêmement important et qu'ils avaient plus de moyens. Et il faut comprendre, lorsqu'on parle de, sonda de sondage, euh, d'enthousiasme, qu'aujourd'hui, euh, la réalité, c'est que vous avez un candidat qui est en campagne permanence, permanente, qui est, qui est Trump, hein, il est en campagne tout le temps, et Biden n'est pas encore rentré en campagne. Ce que disait Jean-Marc tout à l'heure sur la, la maîtrise du calendrier, Biden n'est pas encore rentré en campagne. Ce fameux trésor de guerre euh, qui, va, euh, qui va monter euh, au-delà du milliard que Biden aura n'a pas été encore investi. Même nous, ici, quand on, on est dans un état clé, on est bada, on a très peu, on commence à en avoir, c'est assez intéressant, on a très peu de publicité de campagne de la campagne Biden pour l'instant. On va en avoir et ces publicités-là auront un impact. Donc c'est aussi ce qu'il faut garder en tête lorsqu'on voit les chiffres aujourd'hui, on a ce sentiment vu de l'extérieur qu'on est en pleine campagne électorale, ce n'est pas vrai même si Biden a des fois des discours qui pourraient ressembler à des discours de campagne électorale, dans la réalité, la campagne démocrate n'a pas, pas débuté. Ce rouleau compresseur publicitaire sur les réseaux sociaux, sur YouTube, à la télévision, n'a pas encore débuté. Et donc c'est aussi pour ça qu'il y a cet écart dans les sondages. Mais comme je vous montrais dans cette courbe sur un an, il y aurait de véritables raisons de s'inquiéter si on se rendait compte que la courbe de Biden correspondait à un effondrement majeur et une poursuite de cet effondrement de Biden. Dans la réalité, on a, avec des hauts et des bas, ce qui est normal, on a sur un an une quasi-constance quand on voit le chiffre de Biden ces derniers temps. Je pense qu'il est à un point et demi, donc je pense qu'il est en moyenne 45%, c'est ce qu'il était il y, a, il y a six mois. Donc il y a, il y a cet effort-là, il y a un élan aujourd'hui qui est favorable à Trump au niveau national, il y a cet élan qui est favorable, mais il ne s'accompagne pas d'un effondrement de Biden. Et donc c'est le souvenir de l'école primaire, les fables de La Fontaine c'est celle du lièvre et de la tortue. Le lièvre est en Trump, qui est à campagne et qui, et qui, qui est en train de, de, de monter actuellement. Jean-Marc vous a expliqué pourquoi c'était une courbe qui était extrêmement fragile, cette montée-là, qui elle, était, elle est plus sur, sur une impulsion, sur une, émulsion, sur une émotion. Et Biden qui fait sa course en sachant que... Pour l'instant, ça n'a pas encore commencé pour lui. Euh, Lorsqu'on part sur des comparaisons sportives, avec par exemple un championnat, mais surtout un tournoi comme, euh, comme une Coupe du Monde de, comme une, comme du monde de, de foot ou des, ou des play-offs, des séries en hockey ou en basket, c'est ces équipes qui sont à un bon niveau trop tôt. Et l'équipe qui gagne, c'est l'équipe qui va réussir à être à son meilleur niveau. Au moment où ça compte. Et le moment où ça compte, ce n'est pas novembre 2023. Le moment où ça va compter, ça va être octobre 2024 et novembre 2024. Et ben voilà, c'était à peu près la, la question. En plus, j'ai la question de, de Vico, c'était ça. Est-ce qu'on a une autre question, Thomas Oui, on a une, une autre question Non euh, Donc voilà, Donc je pense qu'on a, euh, a fait le le tour de toutes les questions de euh, ce qu'on pouvait dire sur, sur, ces, sur, ces, sur ces sondages. Euh, je voudrais vous donner un rendez-vous, euh, tant qu'on parle, tant qu'on est là encore ensemble, euh, mercredi. Mercredi, on va très très peu parler de, de Trump, ça va être une émission spéciale, sur un autre sujet qui vous fascine, qui en tout cas euh, me fascine, euh, qui est euh, l'assassinat de euh, John euh, Kennedy. Qui a été donc assassiné à Dallas le 22 novembre 1963, euh, il y a 60 ans. Euh, donc, euh, ça sera 60 ans mercredi. Donc, on fera un dossier de la chute. Je pense à ça. Ça sera un dossier de la chute, un dossier de la chute euh, spécial sur euh, sur cet assassinat, sur 60 ans de secret. On va parler euh, complot. Euh, on va parler complot et euh, pourquoi on peut croire. À un complot euh, sans être euh, complotiste. Euh, je vous raconterai tout ça. Euh, donc voilà, c'est donc cette émission mercredi. Euh, je pense que peut-être on la commencera euh, à 21h. On essaye de trouver ce que je disais sur Twitter. On essaye de trouver le euh, format et l'horaire qui euh, plaisent le plus à la majorité. C'est difficile aussi. On a du, on a du monde et c'est formidable à la fois, euh, qui nous regarde dans l'ensemble, sur l'ensemble du territoire. Euh, sur l'ensemble de la planète euh, où il y a des, des francophones. On a, on a du monde en Afrique, merci, on a du monde en Thaïlande, on a du monde au Mexique, euh, aux États-Unis, euh, au Québec, en France, en Belgique, en Suisse, en Espagne. Euh, donc, euh, donc on essaie de concilier tout ça, les vies professionnelles, le fait que euh, parfois il faut euh, coucher euh, des enfants au lit avant de venir voir euh, la chute. Donc on essaie une fois à 20h, une fois 21h. C'est possible que mercredi, on revienne à 21h et donc 15h au Québec pour avoir entre autres la possibilité, pour donner la possibilité aux Québécois de se joindre à nous sans être trop en retard. En tout cas, voilà, on va faire ça mercredi. On va, je vais vous parler de, de mon enquête. Je vais vous expliquer pourquoi je n'ai jamais sorti le, ce troisième livre que je devais sortir. On va parler révélation. On va parler de tout ça. Je prendrai sûrement certaines de vos, de, vos, de vos questions aussi. Donc voilà, mercredi 22 novembre 2023, on va retourner 60 ans en arrière du côté de Dilly Plaza à Dallas et on va raconter cet événement qui a changé la face du monde. JFK, 60 ans de secret. Donc, soyez au rendez-vous, prévenez vos amis, utilisez vos réseaux sociaux pour nous faire de la publicité. C'est aussi une manière de nous soutenir gratuitement, de, de, de retweet nos rendez-vous, de, de partager, de partager nos, 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 nos tweets parce que vous êtes notre visibilité. Vous êtes notre visibilité. C'est très dur d'exister sur X. Euh, aujourd'hui euh, vous, vous le savez et donc on a besoin de vous que ce soit sur euh, sur facebook euh, que ce soit sur blue sky que ce soit sur euh, sur euh, sur x d'aller partager les euh, rendez vous de la chute euh, c'est important donc voilà on espère que ça va être passionnant j'ai vu que notre ami des euh, îles se souvenait de notre dernière fois où nous avions fait un, un spécial de la chute sur JFK. Euh, effectivement euh, c'était top et euh, Nour euh, qui sera là avec son chocolat noir comme d'habitude j'imagine n'est ce pas Nour euh, Nour qui dit qu'elle sera là pour JFK ben, j'espère que vous serez là euh, très nombreux à nous, euh, à nous soutenir et à se régaler on va se mettre au coin du feu et je vais vous raconter euh, cette histoire euh, cette histoire là et oui euh, on va avoir une interview exclusive de JFK euh, non seulement de lui, mais de son fils, et puis de deux ou trois allumés de QAnon. Donc on va parler aussi de QAnon, donc forcément, on parlera un petit peu euh, de Trump, mais l'idée, c'est d'essayer d'un petit peu sortir euh, de ces euh, campagnes politiques et d'aller, euh, de retourner en 1963. Euh, Franck, il nous dit, il avait 15 ans, il s'en souvient très bien, et... Formidable, j'imagine que comme toutes les personnes qui ont vécu ce moment-là, ils se souviennent exactement comment comment ils ont appris l'assassinat de John Kennedy où ils étaient, ce qu'ils faisaient. En tout cas, voilà. Mercredi, c'est noté. S'il n'y a pas d'autres questions sur les sondages, on va vous donner, on va vous rendre votre liberté. Euh, un peu plus tôt euh, que d'habitude. Euh, c'est euh, pas mal, les belles histoires du père Castor. Ouais, bon, <laughs> pas commenté, mais c'est exactement ça. <laughs> merci, euh, merci Aline, c'est très drôle. Euh, donc encore une fois, merci euh, de votre fidélité. Merci de vos. Je ne sais pas si Cody peut venir pour venir remercier. Donc, on va voir que je vais vous laisser avec Cody qui va vous remercier pour vos super chats. Merci à celles et ceux qui nous soutiennent de manière mensuelle sur Kiss Kiss Bang Bang. Si vous ne le faites pas encore et que vous pouvez le faire, s'il vous plaît, faites-le. C'est vraiment important pour la chaîne. C'est ce qui nous permet de vous livrer. Euh, une émission, euh, je pense, de qualité, avec une qualité qui s'améliore toujours. On vous offre maintenant à la chute express, euh, ce résumé-là. Euh, on essaye de, de rendre le format le plus agréable possible. Et euh, tout ça est possible grâce à vos dons là, en, en direct lorsqu'on fait les super chats, les super funks. Lorsque ça vous attend différé, vous avez été plusieurs à avoir mis des super funks ces derniers jours dans l'émission de samedi et l'émission La Chute, La Chute Express. Et puis, grâce à KissKiss. Kiss. Donc, merci beaucoup. Ben, Sylvie qui dit qu'elle va aller voir sur KissKiss, Kiss, ben, formidable. Merci, merci Sylvie. Merci à toutes et à tous. C'était un Space de la Chute spéciale sondage 2024. Je vous laisse avec Audi, on se retrouve mercredi pour un dossier explosif de la chute. JFK, 60 ans de secret. À mercredi. Bonsoir les amis, vraiment content de vous retrouver après cette, vraiment, cette émission vraiment fantastique. Merci encore à Jean-Marc d'être passé. Je vous ai mis son Twitter dans le, dans le chat, donc j'espère que vous allez tous aller le suivre. Et bon, merci à vous aussi. Oh, je vois que là j'ai les cheveux qui partent, en, qui partent un peu en vrille, mais bon, c'est pas grave. Je voulais vous remercier pour tous vos messages, pour tous vos pouces. On a 243 pouces, donc merci beaucoup. Euh, merci à tout le monde qui s'est abonné. C'est une manière gratuite à soutenir la chaîne. Ça nous aide beaucoup. Euh, L'algorithme nous pousse euh, le plus quand on a les pouces et les abonnements. Donc allez vous abonner et mettez la clochette, la sonnette, euh, tout qui peut sonner pour vous dire que euh, quand on sera live, parce qu'on a toujours des horaires un peu différents. Donc allez vous vous inscrire et je voulais remercier tous qui sont passés par le super chat donc je voulais remercier Didier léna Marie Dani Lou Jean-François Roy Koya je, je pense que c'est Koya on va dire Koya si c'est pas Koya désolé euh, euh, Vico et Stéphanie donc vraiment merci vraiment pour euh, tout votre soutien et euh, je voulais remercier aussi à euh, Clémentine qui a fait un énorme travail D'aller laisser des commentaires, répondre à des questions et tout ça. Donc, vraiment, je sais que Clem, Clémentine, Clem, je sais que vous êtes aussi dans notre chat Telegram. Donc, merci pour tout ce que vous faites et merci vraiment à tout le monde pour, pour vos messages. On va vous retrouver sur Telegram. Le lien est disponible sur notre page KissKissPankBank Bank si vous pouvez ou voulez nous soutenir au niveau du Sénat ou plus haut. Euh, on est presque une centaine euh, Clémence désolé euh, on avait mal noté je m'excuse euh, mais merci pareil pour euh, votre soutien donc on se retrouve dans le chat de Telegram très vite euh, comme Paolo dirait c'était épi un épisode de 45 minutes donc on se retrouve mercredi pour euh, JFK à bientôt et bonne soirée